commence là, je crois. Amis la 90e, bonsoir, bienvenue dans le deuxième live de cette, saison. Désolé pour toutes les péripéties et les problèmes techniques qu'on a pu avoir. C'est enfin réglé parce qu'en régie, on a une équipe de choc. Donc merci Taylor, merci Fadi. On est très heureux de pouvoir compter sur vous tous hein, et on espère qu'on sera tout autant, voire plus que lundi dernier. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir à nouveau d'avoir l'un des piliers de la 90e, c'est Nathan. Comment ça va Nathan ? Ça va et toi ? Ça va, hein, ça va. Aujourd'hui, je prends la place de Thibaut. Donc, voilà, j'espère que Thibaut, d'ailleurs, tu nous regardes de là où tu es et que tu apprécieras ma prestation. T'inquiète pas, je ne prendrai pas... ton poste ici. À ses côtés, c'est dédié. Lui, on le sait très bien, il est tout aussi à l'aise sur les plateaux, en dehors. Il fait tout ici. Donc ce soir, il a le plaisir de venir nous apporter sa science footballistique. Salut, dédié. Salut. Salut à tous. C'est tout ? Salut. Non, je suis content d'être là. Hein. Tu m'obliges à te saluer et aller plus loin. Non, sens-toi à l'aise, tranquille. Je te laisse tranquille pour le moment. Et enfin, le dernier, celui qui est là pour... il va cisailler des gens, non, il rigole déjà. C'est le grand José-Marie Salou. Salut José. Salut les gars, toujours un plaisir d'être avec vous. Ouais. Quelle nouvelle, ça fait un petit temps qu'on t'a plus vu. Hein. Oui, hein, mais je pense que l'équipe tourne bien, vous faites du travail de qualité. Et voilà, de temps en temps, je fais mon apparition ici comme aujourd'hui et j'espère que tout va bien se passer. Eh ben, c'est un honneur pour nous. En tout cas, merci encore d'être là. Au sommaire ce soir, les gars, après le traditionnel coup de cœur que chacun d'entre nous donnera, on débriefera évidemment le match des Diables Rouges, hein, cette première journée de la phase de groupe de Ligue des Nations contre Israël. Donc, on a vu la victoire 3-1, donc je vous laisserai donner un peu vos avis là-dessus, positifs et ou négatifs. Avant de plonger et aussi de faire peut-être la preview du match de ce soir, hein, dans une heure environ, dans un peu plus d'une heure, il y aura France-Belgique. Le 11 est sorti, on y prêtera attention. Donc ce sera intéressant d'aussi avoir vos avis, ce que vous voyez, vos pronostics, la compo, qui sont les joueurs que vous écarteriez de cette liste, qui sont ceux que vous aimeriez voir incorporés dans le prochain rassemblement, qui arrivera très vite d'ailleurs. Ensuite, on reviendra également dans la première partie sur les paroles de Cristiano Ronaldo. Hein. Il a sorti une émission sur sa chaîne YouTube et aussi son avenir en sélection, parce que ça pose de plus en plus de questions. Ça devient un sujet de plus en plus clivant. Beaucoup de défenseurs, mais aussi beaucoup de gens qui commencent à en avoir marre de Cristiano. En tout cas, autant que Didier Deschamps, l'équipe de France. Donc, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Et dans le chat aussi, évidemment, nos auditeurs, c'est aussi pour vous. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis. Bien sûr, on essaiera de réagir au maximum. Et enfin, la première partie, on terminera donc la première partie sur un phénomène de plus en plus récurrent et qui s'accentue au fur et à mesure des saisons. Maintenant, c'est le marché des joueurs libres. On essaiera un peu de comprendre ce phénomène. Pourquoi il y en a de plus en plus ? Est-ce que le football a changé de ce côté-là ? Et pourquoi depuis le Covid, la crise Covid, on observe de plus en plus de joueurs aller au bout de leur contrat ? Ce qui, dans tout marché ordinaire, s'apparenterait à quelque chose de tout à fait logique. Mais ici, on parle football, donc c'est la question qu'on se pose ce soir. Et en deuxième partie d'émission, qui dit trêve internationale, dit qu'on vous a préparé les rankings de la 90e. Donc cette fois-ci, on va débuter avec le meilleur. Hein. D'habitude, on dit toujours le meilleur pour la fin, mais cette fois-ci, on débute avec le meilleur, c'est les attaquants, donc les neuf. Donc voilà, avec les auditeurs, on essaiera de les classer en fonction de différents rankings. Donc ranking 1, 2, 3, 4, 5, pour ceux qui n'en veulent pas du tout. Mais on vous expliquera ça dans la deuxième partie. Avant de commencer par les coups de cœur, pour ça c'est pour nos auditeurs, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un pouce, de liker, de commenter, ça fait avancer l'algorithme et évidemment nous ça nous pousse et nous motive. Mais donc voilà, à nouveau on vous remercie d'être présents ce soir. Les coups de cœur les gars, vous êtes prêts ? Oui. José, je te laisse la main vu que t'es le VIP ce soir. Merci. Mais d'abord jingle, désolé, c'est vrai, le petit jingle coup de cœur. José, à toi. C'est pas vraiment un coup de cœur, c'est plus en fait donner de la force à un de nos attaquants de l'équipe nationale. C'est Luis Openda qui n'a pas eu un match facile contre Israël, même si au niveau des stats, il s'en sort quand même pas mal parce qu'il donne un assist peut-être chanceux et il provoque deux pénaltys. Mais ce que je voudrais surtout dire aux gamins, c'est vraiment de ne pas vraiment se précipiter, de ne pas trop lire la presse, parce qu'on commence à voir qu'on le compare à Luc Ninis avec la 17 qui est la sienne. Et j'aimerais juste lui dire de kiffer l'instant. On sait que normalement, sauf catastrophe, ce serait lui qui serait amené à suppléer à Lukaku.
et donc juste lui envoyer de la force et lui dire, ben voilà, profite de tes tutorisations et ne pense pas à tout ce qui se passe autour de toi, quoi. Voilà. Ok, merci pour ton coup de cœur. Un autre ou on... Non. Ok, bah c'est très bien. Il y a pas d'obligation sans toi libre. Bah dédié. Ok. Moi, ce sera plutôt un coup de gueule. Oh. Vous avez l'habitude. Donc toi, tu reviens. Mais en fait, ouais, dédié, à chaque fois qu'il revient, c'est coup de gueule. Le gars, il est énervé. Les gens vont me prendre pour un fou. Mais je voudrais parler de Cristiano Ronaldo, non pas parce qu'il a évoqué la Coupe du Monde de Messi, mais surtout parce qu'il a évoqué Karim Benzema. Ton chouchou, hein. faut aussi préciser, c'est ton chouchou. Mon chouchou, effectivement, et un grand serviteur de Cristiano Ronaldo tout au long de sa carrière. Je vais juste resituer les faits, parce que les gens voient la vidéo où Cristiano répond simplement qu'il choisit Mbappé à la place de Karim. Il faut savoir que juste avant, on lui a posé des questions sur Giggs, qu'on a comparé à d'autres joueurs, notamment à Karim Benzema. Et quand il y a eu Giggs contre Karim Benzema, Giggs venait de gagner en fait peut-être 6 matchs. Et là, il a choisi en fait Karim Benzema face à Giggs. Ensuite, on lui a demandé qui il choisirait entre Mbappé et Benzema. Et ce traître n'a pas eu honte de choisir Mbappé. Moi, ça me choque, personnellement. J'estime qu'après tout ce temps ensemble devant Real Madrid, et avec tout ce que Karim Benzema a fait pour lui, il devrait normalement être loyal, de manière inconditionnelle. J'aimerais quand même lui rappeler que sans Karim Benzema, il n'aurait pas pu lutter face à Messi. Il n'aurait pas existé dans l'ère Messi. Bon, t'es peut-être un peu sévère, non ? Je le pense sincèrement et je pense qu'il n'aurait pas eu autant de ballons d'or. Il peut vraiment dire merci à Karim Benzema qui devant s'est sacrifié et lui a permis en fait d'avoir les espaces qui lui permettaient de marquer. Et j'aurais bien aimé qu'il fasse hommage à Karim en répondant simplement qu'on ne compare pas le karting et la F1. Oh. Wow. Bah franchement, c'était bien préparé et bien conclu. Au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est ton seul coup de cœur ou tu veux... Enfin, ouais. Coup de gueule ou t'en as un autre parce que t'es souvent énervé. Donc, Non, je m'arrêterai là. Ok. Bah Nathan. Moi, c'est pas vraiment un coup de cœur, ni un coup de gueule, ni quoi que ce soit. Enfin, c'est plutôt quelque chose un peu d'insolite que j'ai trouvé ce week-end. Si je vous parle de Declan Rice et Jack Grealish, est-ce que ça vous dit Irlandais quelque chose ? D'origine ? Ouais. Ou du moins, ils ont des... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont marqué tous les deux. L'Angleterre gagne 2-0. Ils marquent l'Irlande et ils ont marqué tous les deux. C'est vrai. Donc c'est assez... comique comme image, d'autant plus quand on connaît un peu les relations assez belliqueuses entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Et donc je trouvais ça assez cool et c'était assez beau de voir quand même que malgré ça, Declan Rice en fin de match a déclaré qu'il se sentait pas, il pouvait pas célébrer parce que voilà, il a quand même toute sa famille qui est originaire de ce pays-là et qu'il respecte quand même malgré ça son pays d'origine. C'est beau. Et en plus de ça, ils ont tous les deux joué pour la sélection irlandaise, hein, que ce soit dans les sélections jeunes ou même en amical avant d'être choisi par l'Angleterre. Ouais, bah franchement, ouais, l'histoire est belle quand même. Vraiment. Ouais. Mais pour toi, c'est pas un problème parce qu'il y en a un qui n'a quand même pas hésité à célébrer. Pour toi, ça a pas choqué. Parce que je sais qu'il y en a qui ont été choqués, qui ont dit que c'était un manque de respect. Bah non, enfin, à partir du moment où tu choisis une sélection, bah, t'es censé la représenter jusqu'au bout. Donc ça devrait pas être un problème. Ok. Bah, ouais, moi aussi, je suis assez d'accord. Je veux dire, pour moi, c'est logique en fait. Si t'avais joué pour la Belgique, t'aurais célébré contre le Congo. J'aurais pas célébré. Mais en fait, ne fût-ce que par respect pour mes parents, ancêtres. Pour mes ancêtres, pour mon pays d'origine, ça aurait été compliqué. Après, bon, après, pourquoi prendre la célébration pour un manque de respect ? C'est juste une joie qu'on transmet. Tu marques un goal, tu vois. C'est vrai, ouais, Tant que c'est pas irrespectueux, qu'il n'y a pas de calma comme ce qui avait ça. Diaby qui avait marqué avec la France contre le Mali. lui est à notre niveau, mais effectivement, non, c'est vrai. En soi, c'est pas nécessairement un manque de respect, mais après, c'est la forme qui importe le plus, je pense. Donc, mais en tout cas, merci pour vos coups de cœur. Bah, les gars, je vais clôturer cette page coup de cœur. Donc, moi, j'en ai deux. 2001, 10-1, ça vous dit quelque chose, Diable Rouge ? Saint-Marin, ouais. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, Saint-Marin ? Ils ont gagné. Ouais. Pour rappel, c'est la dernière nation au classement FIFA, 210e. Ils jouaient contre le Liechtenstein, qui est 199e, donc c'est pas non plus un foudre de guerre. Mais voilà, ils ont gagné, je crois, 2-0, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, ils ont gagné. C'était leur première victoire en match officiel en 20 ans. Donc voilà, c'était pour un peu leur rendre hommage. C'est un tout petit pays dont on se moque très souvent dans les qualifications. Mais voilà, moi, je trouve qu'ils sont quand même courageux parce qu'à chaque fois, tu sais que tu vas t'en prendre 10, 4, 5 et enfin une victoire. Donc je trouvais que...
que c'était un beau symbole. Bon, tu jouerais là-bas? Bah, avec tout le respect que je leur dois, tout le respect que je leur dois, bon, je sais pas. Hein. Bah, non, mais comment ça, on sait pas, ce sont tous des gens comme nous, entre guillemets, encore ça, que nous, on a joué. Eux, ce sont niveau, vraiment des gens qui travaillent, qui ont un job normal, ambulancier, poste, j'avais lu boulanger. Donc, ouais, c'est des amateurs vraiment à 100%, donc bien sûr qu'on peut jouer là-bas. Ouais. Et d'ailleurs, ils expliquent que c'est une réelle comment dire, plus-value, parce que ça leur permet d'avoir, tu vois, d'échanger des maillots, c'est des souvenirs de dingue, quand même. C'est tous des amateurs. Ils voyagent. Mais tu vois, ça, c'est un bon côté un peu, enfin c'est peut-être le seul bon côté de la Nations League, parce que ça permet d'avoir dans le même groupe des équipes de talents équivalents, et ça permet ce genre de belles victoires. Ouais, exactement. Ouais. Et mon deuxième coup de cœur, franchement, c'est un jeune joueur encore, bon, pas une très très jeune, mais c'est Sandro Tonali. Mais ça s'englobe en fait avec Newcastle et la direction. Pourquoi ? Parce que comme vous savez, il avait été suspendu initialement 18 mois là, après les affaires de Paris Sportif. Ouais. Et 10 mois après, il est réapparu la semaine dernière, d'abord en coupe face à Nottingham, et puis après ensuite à domicile, où le St James Park et les 60 000 spectateurs l'ont acclamé. Et je trouvais ça vraiment un bon symbole, et c'est souvent quelque chose que tu peux voir surtout en Angleterre, où au-delà de ça, j'ai pu lire qu'en fait il a été encadré par tout un club pendant les 10 mois, donc que ce soit le psychologue, que ce soit le président, que ce soit le coach. La seule chose qu'on lui a demandé, et je pense qu'il a été c'est tout à fait logique qu'on lui a demandé de s'entraîner à part ou avec la réserve, parce qu'il ne pouvait pas non plus pendant 10 mois entre guillemets perturber le bon fonctionnement des entraînements. Mais à part ça, voilà, ils l'ont toujours gardé dans l'équipe, malgré le fait que voilà, il a fait quelque chose quand même qui était assez grave, aller parier comme ça, même si voilà, ça peut être une erreur, mais à 22-23 ans, j'estime quand même qu'avec toutes les campagnes Paris qu'il y a, c'est quand même une grosse faute. En tout cas, il a pris 10 mois. C'était de manière très récurrente. Hein, oui, voilà, en fait, c'est ça. Mais moi, au-delà de ça, je trouve que c'est la symbolique derrière d'un joueur qui a fauté, qui a reconnu ses torts et qui a aussi probablement aidé d'autres footballeurs, parce qu'on voit le footballeur qui a été pris, mais on ne voit pas ceux qui étaient peut-être dans le même cas, mais grâce à ça, qui n'ont pas été chopés pour le moment et qui disaient « Ah, j'ai arrêté ». Donc je pense que quand même, indirectement, ça a peut-être pu permettre à certains joueurs d'arrêter et au moins ne pas tomber dans les mêmes situations. Il y a Lucas Paqueta aussi dans les problèmes. Mais lui, on attend toujours. Et d'ailleurs, c'est ce qui bloque son transfert. Hein, ses transferts. Ouais, s'il se retrouve toujours à West Ham, c'est que je pense que City a ralenti et pas mal de clubs ralentissent. Mais par rapport à ton analyse, ce que tu dis, c'est bien de mettre en avant Newcastle, parce qu'en fait, ses soucis de paris sportifs et d'addiction ont été découverts juste après son transfert de l'AC Milan. Et Newcastle aurait pu être dans une position où ils disent, écoutez, l'AC Milan, voilà, vous nous avez un peu entubés, parce que je pense que l'AC Milan devait être au courant, parce qu'il n'y avait rien qui justifiait cette vente-là, d'autant plus que Tonali ne voulait pas partir. Donc ils auraient pu être dans cette position-là et dire, voilà, vous nous avez entubés, on fait un procès, quelque chose comme ça. Mais ils ont été plutôt très... ils l'ont vraiment très bien encadré, comme tu dis, et ils n'ont pas vraiment jeté la pierre sur lui. Donc c'est très respectable. Ouais, franchement, top. Et dans le sondage, dans le chat, pardon, je vois Ilias qui nous dit le maillot de José est un vrai coup de cœur. C'est ça le coup de cœur, en tout cas, du chat. Merci. Thibaut. D'Arsenal, on se comprend. Beau maillot d'Arsenal. Ça m'étonne pas. Thibaut qui fait la collection de maillots, qui dit Banger le maillot. Bon, je sais pas si je prononce correctement. B-A-N-G-E-R le maillot. Et époque totale 90. Donc voilà, continuez en tout cas à mettre vos commentaires. On vous suit et on répondra à vos questions. Sans plus tarder, on passe au football belge et international avec le match des Diables Rouges. Monsieur Jingle, s'il vous plaît. Donc, les Diables Rouges se sont imposés 3-1 face à la modeste équipe, j'ai envie de dire, d'Israël. Le score ne reflète peut-être pas nécessairement la physionomie du match, du moins pas la première mi-temps, pas la où j'ai trouvé mi-temps. Israël une équipe assez courageuse et même très cohérente. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce match, José ? Vas-y. Je ne sais pas si c'est Israël qui a été très courageuse ou entreprenante, c'est plutôt la Belgique qui a laissé jouer. En deuxième mi-temps, quand la Belgique a joué, j'ai pas vu qu'il y avait match. Donc je dirais plutôt qu'on doit juste se regarder dans un miroir et se demander si on a commencé ce match avec sérieux. Un bon état d'esprit. Discipline. Donc t'as l'impression qu'ils ont fait preuve de nonchalance, peut-être de suffisance, peut-être. Oui. Moi je trouve pas. Moi je trouve qu'ils ont justement pris ce match sérieusement. Ils ont pressé haut directement. Ils ont voulu montrer qu'ils allaient entre guillemets faire souffrir leur adversaire.
Mais justement, moi, j'ai été étonné par Israël qui, même si l'opposition était relativement faible, mais ils ont quand même essayé de proposer quelque chose. Footballistiquement parlant, ils ont quand même essayé de jouer au football, de ressortir proprement. Et dans toutes les transitions offensives, ils nous ont vraiment fait mal. Et donc, je ne pense pas que la Belgique a pris ce match à la légère. Mais je pense que voilà, on a quand même eu beaucoup de manquements, surtout au milieu de terrain. Il y a eu beaucoup de déchets, surtout en première mi-temps. Et n'oublions pas aussi que ils ont mis deux buts, même si c'était hors-jeu. Ça montre quand même qu'on était relativement fébrile. Alors oui, quand on regarde le match comme ça, on voit le résultat 3-1, on se dit, ben voilà, la Belgique a eu facile. Mais globalement, je pense que la technique israélienne nous a quand même mis en difficulté. Et toujours ces transitions offensives qui nous ont vraiment fait mal. Moi, je pense qu'il faut quand même faire attention à ça. Mais Nathan, comment toi tu expliques la fébrilité? Enfin, je ne sais pas si tu es du même avis, mais... Je suis un peu... On avait rejoint un peu celui de José dans la mesure où je pense que plutôt on a un peu été peut-être étonné du niveau de l'équipe d'en face. On les a peut-être un peu pris de haut. Et en fait, là où j'ai été un peu surpris, ou même si je ne devrais pas trop l'être, c'est un peu la fébrilité au milieu. En fait, je trouve que défensivement, il y a un gros travail. Alors autant, c'est vrai que notre défense est assez faible. En tout cas, au niveau des noms, ça, c'est pas la défense d'une équipe de renommée. Mais au niveau défensif, au milieu, il y a un gros problème. Parce que si ce n'est Onana, on n'a pas des profils qui sont habitués à défendre. Et je comprends qu'à son âge, De Bruyne doit un peu être exonéré de cette tâche-là, d'autant plus qu'on a besoin de lui dans les phases offensives. Mais faudrait peut-être trouver une solution ou un système qui permette d'un peu mieux protéger la défense tout en ne tombant pas dans les stéréotypes qu'on a pu voir à l'Euro où c'était tout pour la défense quoi. Donc ça c'est un chantier qu'il faut quand même voir. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bon, après je te laisserai parler un dédi, mais on voit que De Bruyne n'a plus ses cannes de 20 ans et c'est normal. Et on voit que les efforts défensifs, il ne les fait plus vraiment. Et à côté de lui, on a aussi vu Tielemans en difficulté, comme je dis, sur ses transitions. Et quand on a un milieu à 3 comme ça, c'est vraiment compliqué d'avoir le seul Onana pour bloquer en fait les vagues adverses. Je prendrai un exemple, même si c'est plus le Griezmann qu'on a connu, mais même Griezmann, le Griezmann qu'on a connu à l'Atlético faisait quand même les efforts, passait 30 ans. Donc c'est vrai qu'on a Kevin De Bruyne, mais je pense que la défense, ce n'est pas seulement les éléments défensifs, mais c'est un collectif qui doit défendre. Et si une ou deux personnes n'arrivent pas à faire ces efforts-là, bah c'est toute l'équipe qui est vue. Et donc, surtout mais quand ils sont dans des positions importantes. J'ai l'impression qu'on les a quand même sous-estimés et qu'on a été surpris de leur niveau, que je ne trouve pas spécialement très très élevé, mais ils avaient un niveau suffisant que pour nous surprendre. Et je crois qu'au milieu, nos joueurs ont mis du temps quand même à se réveiller, quoi. C'est pas qu'on a un problème défensif au milieu, mais je crois qu'on a joué avec un peu de nonchalance. Pour le citer, Onana, que j'aime beaucoup, mais qui pour moi a joué quand même les mains dans les poches pendant 30 minutes avant de se réveiller et de se rendre compte qu'en fait il devait peut-être accélérer. Et alors quand Onana ne défend plus, c'est pas Yuri qui va compenser, et ça on le sait. Donc il faudrait peut-être que les gens commencent le match à fond plutôt que d'attendre la deuxième mi-temps pour accélérer, parce que quand on a accéléré en deuxième mi-temps, on les a pressés haut et franchement, ils ont plus su ressortir, même si ils essayaient et ils ont eu le mérite d'essayer de jouer au sol. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que je crois que vous rejoignez assez, tous les trois sur le fait qu'il y a eu un problème de rythme. Je lis aussi dans le chat beaucoup, je vois Marc Aurel qui est au show, qui dit rien de rassurant dans la prestation belge, une équipe belge suffisante à certains moments et de grosses déconcentrations à d'autres. Certains rappellent vivement le retour de Lavia, nous dit notre ami Christian, qu'on salue d'ailleurs. À fond. Trésor, qui dit le consultant avec le meilleur d'Arsenal, la faut le sauter. Je ne sais pas, vous réglerez vos propres problèmes. Et Thibaut qui dit, il est aussi pour le retour de la Via. Donc moi, quand je lis ça, je vois beaucoup de... Il y a un problème de vitesse, on demande le retour de la Via. Est-ce que vous êtes indirectement en train de pointer Onana au milieu de terrain? C'est une question que je vous pose parce que je pose cette question parce que moi-même, et j'en discutais en off le jour du match, je trouvais que parfois, est-ce que c'était trop facile pour lui? Il a fait preuve peut-être de suffisance, en tout cas dans son body language, dans sa gestuelle, j'ai trouvé que parfois il jouait à deux à l'heure parce que peut-être c'était trop facile et que peut-être c'était à lui de donner peut-être cette passe beaucoup plus rapidement, de mettre du tempo, ce qu'il n'a peut-être pas su faire au début. Donc je sais pas s'il y avait un manque de solution aussi qui fait que bon, à un moment donné, tu sais pas donner le ballon s'il y a pas de solution autour de toi, ou c'était peut-être lui qui l'a joué trop facile. Ouais. Moi, je trouve au final, il fait quand même un bon match. Sur ça, je trouve que ça sera un peu dur de le critiquer. Il fait un bon match. Après, c'est vrai qu'il a un peu cette
façon, et c'est peut-être la manière dont il est. Hein. Il est un peu relax sur certaines choses, et son poste demande à ce qu'il soit focus directement, donc c'est peut-être quelque chose qu'il devrait gommer. Est-ce qu'il faut le mettre en 8 au final? Il fait un bon match, mais après, c'est quelque chose que je pense on dit depuis longtemps, et c'est pour ça que je suis très content de voir que oui, il faut. On a tous hâte de voir Lavia en sélection, mais le problème, c'est que dans la tête de Tedesco, moi j'ai l'impression que le 6 pour lui, c'est vraiment. Amadou Onana, et je suis même pas sûr que Amadou Onana soit vraiment d'accord avec ça, parce que lui-même se considère un peu comme un 8. Et moi, je fais toujours cette comparaison-là. C'est pas les mêmes joueurs, et c'est peut-être pas, enfin, ils ont pas les mêmes qualités techniques. Mais Onana, moi, je le vois vraiment en fait comme un N'Golo Kanté à l'époque de Chelsea, dans la mesure où voilà, un vrai box-to-box. C'est un box-to-box défensif qui est non seulement est très bon pour faire des courses vers l'avant avec le ballon ou même sans ballon, mais qui en tout cas ne doit pas être affecté à une certaine position centrale et qui ne doit pas s'occuper de la relance. Et moi, j'ajoute à ça, je pense qu'il y a une réelle carte à jouer sur lui au niveau de même, au niveau de l'apport statistique. Parce que lui-même, il dit s'il a quelque chose à améliorer aujourd'hui, sa grosse marge de progression, c'est au niveau avec sa taille, il devrait mettre plus de buts le jeu, enfin, au niveau dans les airs, etc. Et moi, je pense que vraiment dans l'infiltration, il a quelque chose à jouer. Et je suis même persuadé que c'est le genre de joueur qui, venant de la deuxième ligne, peut de temps en temps marquer une frappe ou quoi. C'est un joueur qui a une projection verticale. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas de sens de le mettre en 6 devant la défense. Voilà. Surtout qu'il n'a pas la technique d'un Lavia. Et même quand il joue à côté de Yuri, c'est très bizarre de demander à Yuri d'être plus haut. Après, moi, parce qu'il n'a pas le coffre. C'est un non-sens. Mettez Yuri devant la défense et mettez Onana plus haut. Parce que si tu mets Onana plus bas, en fait, tu demandes donc à KDB et Yuri de descendre aussi pour faire le jeu. Onana ne fera jamais le jeu. Donc tu perds. Est-ce que tu penses que Yuri aussi, il a les qualités pour couvrir à ces terrains? Parce que le rôle du 6, quand tu es vu, entre guillemets, en transition défensive, quand tu dois revenir, moi j'ai l'impression que Yuri, il n'a peut-être pas le coffre ni les qualités physiques pour être comme Onana, savoir revenir assez rapidement, faire un tacle, couvrir le terrain. Je pense qu'il ne peut pas. Et ça, c'est le problème. Et c'est peut-être pour ça qu'on le met. Il peut pas, mais alors tactiquement, tu joues la possession. Alors, mais de façon, que tu ne perds la balle. Dans le football moderne, c'est très facile de tuquer entre B+, B-. Un exemple très flagrant pour moi, c'est un Toni Kroos. Ce n'est pas quelqu'un qui avait le volume défensif pour défendre, et pourtant, c'est le premier homme à la relance. Relance à Madrid. Il faut l'accompagner. Pourquoi ne faire pas pareil avec un Youri Tielemans qui a toutes les qualités, du moins au jeu long ballon, pour occuper ce poste-là? Après, c'est vrai que moi, je pense que ce n'est pas une question de joueur, parce que c'est vrai qu'on entend souvent Romeo Lavia, on entend souvent son nom revenir. Encore une fois, bon, c'est peut-être un talent, ça moi je n'en disconviens pas, mais il n'a pas encore de référence, on ne sait pas ce que ça peut donner. Après, il faudra le tester pour vraiment voir. Mais moi je pense qu'encore une fois, c'est vraiment dans le collectif, je ne sens pas une équipe qui bosse ensemble. Je vois une équipe coupée en deux, en fait, tout simplement, où on demande aux défenseurs de défendre et aux éléments offensifs d'attaquer. Et une fois qu'on passe tous en phase défensive, je ne vois pas ce sprint qui est fait. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est parce que ce match-là a été joué à huis clos, donc on pouvait entendre ce que les joueurs se disaient, et on entendait De Bruyne dire en fait à Théat de monter, parce qu'il estimait en fait que le bloc défensif était beaucoup trop bas. Et ça se voyait vraiment à 1000%. C'est-à-dire que dès qu'on était en phase offensive, la défense restait derrière, les éléments offensifs attaquaient, et dès que les Israéliens profitaient de la transition de leur transition offensive, eh bien, il y avait un trop mieux terrain qui était comblé, malheureusement pour moi en tout cas, par le seul Onana. Et peut-être qu'il y a un problème justement au niveau de Tedesco, qui doit mieux travailler ce bloc défensif. Moi je trouve qu'il ne doit même pas travailler ça, c'est plutôt lui qui demande, et je suis vraiment d'accord avec ce que tu es en train de dire, parce que c'était surtout flagrant à l'Euro, mais à l'Euro, au niveau des dédoublements des latéraux, je pense on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça une seule fois. Est-ce qu'il avait aussi des joueurs pour? Parce qu'il a intégré Maxime de Kuyper récemment. Mais regarde, par exemple, j'allais parler de Maxime de Kuyper, mais c'est pas normal qu'un Maxime de Kuyper ait aussi peu apporté offensivement quand on voit ce qu'il est capable de faire avec son pied gauche. Après, les gars, c'est sa première sélection. Créer l'harmonie dans une équipe. Oui, c'est ça. Je suis désolé, mais on va un peu trop vite. C'est normal qu'en transition. Tedesco, il est là depuis plus d'un an et demi. Je suis d'accord, mais il est là depuis quelques temps. Mais on en revient à un épisode que tu as ressorti en off, José. Il y a un an, ce qu'on disait, c'était qu'on devait préparer l'avenir. On ne l'a pas préparé. Donc maintenant, on est en train de la préparer. Le problème, c'est qu'on se retrouve dos au mur. On doit trouver une solution à une situation qu'on devait préparer depuis un an. Donc,
De Kuyper, par exemple, lui n'est pas habitué à jouer dans cet effectif. Quand on se retrouve coupé, l'équipe est coupée parce qu'en transition, on se fait avoir par surprise parce qu'on joue donc contre des Israéliens qu'on a sous-estimés. C'est parce qu'on communique pas bien, parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Et ça, tu le prépares en intégrant les jeunes. C'est très intéressant ce que tu dis parce que normalement, De Kuyper, pour ceux qui l'ont suivi, pour ceux qui connaissent ses qualités, c'est un ailier gauche, enfin c'est un back gauche, voire ailier. Enfin, c'est quelqu'un qui est ultra offensif. Et justement, à chaque fois. Et ça, c'est la raison pour laquelle, en fait, parfois, je suis très critique avec la jeune génération et surtout Doku. C'est-à-dire que parfois, quand on a des qualités, on ne les travaille pas. Moi, quand je vois, en fait, comment Doku a été utilisé dans ce match, en fait, ça bride le collectif. Pourquoi ? Parce que c'est donner la balle à Doku et on voit ce qui va se passer. Alors que derrière lui, il a un De Kuyper. Et si on travaillait avec ce jeune homme comme ce qui est le cas maintenant à Manchester City, et heureusement qu'il a fait ce choix-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'armes, c'est-à-dire qu'il peut jouer en combinaison avec le Maxime De Kuyper, il peut aller une fois de temps en temps seul, il peut de temps en temps combiner avec, au niveau axial avec l'attaquant, et c'est ce que je ne vois pas avec Tedesco, c'est qu'il y a vraiment des armes intéressantes, surtout venir de la deuxième ligne quand on est face à un bloc bas, mais tout ça, on ne le voit pas. C'est pour ça que moi je dis, pour l'instant, le problème, je ne pense pas que ce soit véritablement un problème de joueur. La qualité, elle est là, elle est présente à toutes les lignes. Même défensivement, vous me connaissez, moi je suis vraiment quelqu'un de très très critique. Mais ce que je vois, c'est que c'est des joueurs qui n'ont pas, enfin, dont les consignes ne sont pas tout le temps claires. Et je pense que Tedesco va dans la facilité pour moi. Vraiment, il y a des choses qui doivent être mises en place et travaillées. Et ça fait un an et on ne le voit pas. Et bah c'est pas le seul pour lequel on ne voit pas grand-chose, parce qu'il y en a un autre aussi qui est sous le feu des critiques, c'est Didier Deschamps. Je voulais en parler. On joue ce soir, il est 19h, d'ici 45 minutes, la rencontre débute, je crois, c'est à 20h45. Ouais. Votre avis, les gars, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce match-là? Déjà, je vous pose comme question, qu'est-ce que vous changeriez par rapport à la compo face à Israël? Est-ce que, pour vous, il doit faire un test? Non. Parce que c'est la France. Si on veut ou pas. Mais de toute façon, la compo est sortie. Hein, c'est la même que le match précédent, juste De Kuyper saute. Et c'est parce qu'il est rentré et Théat passe à gauche et De Bast passe en défense centrale. Donc De Bast face en défense centrale. Mais De Bast côté gauche ou côté droit? Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est drôle, c'est qu'on dit tous qu'on loue la qualité de Debas, sa qualité de relance, mais dernièrement, quand il est rentré sur son pied gauche. Donc, soit c'est un talent et tu le mets à son meilleur poste, c'est-à-dire défenseur droit pour sa qualité de relance, soit en fait, bon, tu nous vends, je sais pas, c'est un feu de paille et tu nous mets à gauche parce qu'il y a la pression belge qui fait que. Mais moi, j'aurais aimé, qu'est-ce que vous auriez fait comme changement si vous étiez Tedesco? Moi, j'aurais laissé. Tu aurais laissé la même équipe? La même équipe, Nathan? De Kuyper n'est pas là parce qu'il est. Ouais, il s'est blessé. Nathan? Défensivement, j'aurais laissé la même équipe. Après, j'aurais quand même aimé, pour une fois, qu'on essaie un peu de voir, même si Luke Bakayoko n'a pas fait un mauvais match, mais un peu donner un peu de temps de jeu réel à Bakayoko. Parce que je trouve ça un peu décevant la manière dont il est utilisé. À chaque fois, 5-6 minutes, quand on sait ce dont il est capable de faire. Mais il faut bien qu'on impose quelqu'un à un moment donné, si on veut. C'est sûr, mais le problème, c'est ce qu'on disait déjà il y a quelques mois avec Luke Bakayoko. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'Euro? Au final, c'est même pas lui qui s'est imposé. Ouais, donc, c'est vrai. Non, moi, je partirais plus ou moins avec la même composition, sauf qu'à droite, je mettrais Meunier. Il faut de l'expérience. Il joue en France à Lille, il s'est bien relancé. Puis dans l'axe, malheureusement, on a pas mieux que malheureusement Fass et De Bast, malheureusement. Et à gauche, Arthur Théâtre, quand il a dû dépanner là, il l'a fait pas mal. Pour le reste, je repartirai avec la même équipe. Et bien sûr, une philosophie de jeu un peu différente. Ouais. On va dire que ne pas se lancer comme des fous dans un pressing haut, on va dire un parce bloc que Barcola, et ça va d'ailleurs Mbappé sur le banc ce soir. Mais deux choses, par rapport à ce que tu viens de dire, je pense qu'on aura un match ouvert, du moins, ce qu'on a entendu de la part de Tedesco et même de Amadou Onana en interview. Ils avaient l'air de dire que la volonté, c'est de jouer vers l'avant. Et Meunier. Je trouve que c'est un cas intéressant. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'à Lille, il s'est relancé dans une défense à 3. C'est vrai. Qui correspond peut-être un peu plus maintenant à ses qualités, étant donné que il a perdu de l'âge. Mais par rapport à cette position de back droit, je trouve que c'est vraiment une position qui est à prendre en sélection. Parce que Castagne, merci beaucoup pour les services rendus. Mais c'est de plus en plus compliqué. Et donc, il faudrait penser à l'avenir. À la place de Castagne, il n'y a pas non plus énormément de. Non, mais c'est pour ça que quelqu'un comme Sardella, franchement. Christian sera content. Pourquoi pas Sardella, malheureusement, il est blessé. Vous allez voir, c'est un peu un De Kuyper. Ce gamin-là, en tout cas, malheureusement, il est blessé actuellement. Mais s'il arrive à avoir la pleine position, ses moyens, c'est quelqu'un qui peut être vraiment très, très intéressant pour le futur des Diables. Vos pronos ce soir, Dédi? Ce sera ouvert, je pense. C'est en France, hein. Moi, je vois un 2-2. Moi, je vois un 2-2. 2-2. Moi, c'est en transition, en fait. 1-1.
Ouais, moi je pense que la Belgique ne perdra pas perso. Et en France, j'ai l'impression que Dédion arrive au. Parce que en Belgique en France, j'ai entendu que tous les gens devaient se cacher parce qu'il y a des balles perdues qui risquent d'être cachées. Donc, je ne sais pas qui va marquer. Je dis 1-1, 2 autogoals. Non, mais attention, la France, quand on joue la Belgique, c'est. Ouais, il y a un petit complexe. Mais est-ce que vous donnerez encore peut-être quelques minutes à Duranville? Parce que je sais qu'il a impressionné sur le peu de ballons. C'est important d'en parler. Je pense qu'il est vraiment temps d'en faire le remplaçant de mais c'est pour ça que pourquoi mais... parce qu'il est il ah, regarde, attends 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 c'est très important attends parce que là il a dit quelque chose quand même c'est remplacer Doku. Je crois que ça il doit pas être titulaire. Ah OK. Je pense qu'il doit rentrer et devenir le joker derrière Doku parce que pour le futur on doit le préparer. Ah et si on commence pas à le préparer maintenant, dans 2 ans, on va commencer à faire. Mais est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un embouteillage? Nathan parlait de Bakayoko qui ne joue pas, Duranville. Même dès que. Il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs sur le banc. Et lui, il n'est pas stéréotypé comme ça. Ce gamin évoluer. Tu as dit pourquoi le mettre joker en équipe nationale alors qu'il pourrait jouer 90 minutes avec les U21? Et c'est ce que je disais. Le gamin a eu des problèmes physiques justement parce qu'il est très explosif. Ce n'est que cette année. Ouais, mais est-ce que c'est le foot d'aujourd'hui? Arda Güler, il est titulaire en sélection. Il y a un moment en fait, à long terme. Toi, tu penses qu'il aurait fallu le laisser avec les 21? Moi, je pense que ce gamin doit aussi travailler son jeu. En fait, il doit véritablement prendre confiance en son corps d'abord et en son jeu. On a vu qu'il a fait une action, ça a fait le tour de YouTube. Oh, il a mis un râteau. Mais on a vu la finition à 17 ans. Même si comparaison n'est pas raison, de l'autre côté, il y a un Yamal. C'est soit assiste, soit but. Duranville, même si ce n'est pas du tout la même évolution, mais la finition n'est pas encore là. Moi, je pense que des gamins comme ça, sachant qu'on a déjà Doku, préparez-le. Mettez-le en U21. Donnez-lui la possibilité de s'exprimer donc avec les gens de sa génération. Mm-hmm. Et d'ici un an ou deux, et de temps en temps, il viendra en équipe première, mais vous le mettez 90 minutes en U21, puis il vient avec l'équipe nationale. Et puis, dans un an, on prépare son corps, si ça tient, on le lance. Mais là, ici, on est en train de donner des 20-20. Cette vision me dérange. Mais moi, personnellement, je trouve que, pourquoi le faire patienter si on sait qu'il est supérieur à 95% des ailiers qui. Parce qu'il est perfectible. Oui, il est perfectible, mais même. Doku est perfectible. Mais il ne faut pas croire qu'en U21, on va le perfectionner. N'oublions pas, N'oublie pas, le coach, c'est Gilles Swerts. Enfin, je veux dire. C'est même José Riga, c'est un peu. Oui, voilà. Non, T2, José Riga. C'est toujours Gilles Swerts, mais T2, José Riga. Je ne sais pas si. Avec tout respect que je me rappelle en 2021, quand Doku avait joué. N'hésitez pas dans le sondage à mettre votre pronom. Il avait fait un match, soi-disant, un match incroyable face à l'Italie. On était en 2021 à ce moment-là pour l'Euro 2020. On est 3 ans plus tard et le Doku que je vois maintenant, il y a une légère progression, mais après 3 ans, il n'y a pas la progression qu'on aurait pu estimer voir de ce gamin. Et c'est pour ça que je dis. Après, il joue à City. C'est un club qui est à gauche. Il joue à City. Bon, il est à City dans l'effectif. Pas titulaire indiscutable. Non, mais il joue à City. Non, il est dans l'effectif de City. Oui, mais il a quand même plus de 60% de temps de jeu. Quand tu vois la concurrence qui devrait avoir à son âge 100% de temps de jeu. Et c'est parce que le gamin, comme je dis, on l'a pas vraiment préparé à ce niveau-là. On lui a fait sauter des étapes. Et heureusement, comme je dis, que Guardiola est en train de le travailler. Malheureusement, le travail que Guardiola a fait avec lui à City, on ne le voit pas vraiment en Belgique parce que le système est toujours le même. Donner la balade. Non, mais José, tu crois vraiment que tu mets Duranville en U21, il va exploser les gens là-bas et tu crois qu'il va apprendre? On a tendance à oublier l'importance d'enchaîner les matchs. Le gamin a eu beaucoup de blessures musculaires. Laissez son corps s'adapter à ce niveau-là. C'est pas nécessairement des doutes footballistiques, c'est plus physique et psychologique. Si c'est d'accord, tu l'as dit, alors laissons-le en club. Ou laissons-le en club. En fait, il doit juste. Ça fait sens, pourquoi pas. Il doit juste retrouver confiance en son corps, parce que je vous assure, à chaque fois une accélération, une blessure, le mec, il était au fond du trou. Mais moi, j'aimerais que vous. Laissez-le travailler. Dites-moi un peu qui, pour vous, qui voyez-vous dans les 2-3 prochaines années, les 2 titulaires sur les 2 flancs? Parce qu'il y a Luke Bakayoko, il y a Bakayoko, il y a Doku, il y a Duranville. C'est simple. Pour vous, Dodi à droite avec De Ketelaere derrière. Ouais. Par défaut. Donc en 10. Pas Bakayoko, parce que je pense qu'il n'a pas le niveau pour suppléer. Rapidement. Et à gauche, Doku avec Duranville. Nathan. Et juste pour revenir rapidement par rapport à ce que tu viens de dire pour 30 secondes, Duranville, il me semble que Dortmund a quand même dit qu'au niveau physique, le petit semble prêt et que c'est lui qui a impressionné au niveau des tests et qu'au niveau son corps devrait être parfait pour cette année. Mais maintenant, pour répondre à ta question pour les 2 titulaires, pour moi, ça serait Doku. Et trouver un moyen de mettre Duranville sur un des flancs. Hein. Okay. Quand on voit les talents quand même, avec De Ketelaere en 10.
Bah, j'espère que Doku arrivera à avoir le trésor, son plein potentiel. Trésor d'Aishimi. Non, pourquoi pas. De gang. Et bien sûr, on peut mettre Duranville à droite parce que je pense qu'il y a la qualité aussi pour s'illustrer là-bas. Ok, mais en tout cas, moi, juste pour terminer, clôturer cette page, j'espère quand même qu'Openda marquera parce que c'était triste quand même, on lui donne un penalty, il marque à nouveau pas contre Israël. S'il passe encore un match sans marquer, ça fera quand même tâche par rapport à ce qu'il fait à Leipzig, si tu vas te dire. Justement, il prend un peu le melon et tout. Moi, ça me dérange pas qu'il rate un peu des pénalties. Moi, je pense qu'il faut pas, il doit pas se mettre cette pression-là. La seule pression qu'il doit se mettre, c'est de bien jouer et d'être utile dans le collectif. Les buts viendront. Comme il a fait. Ok, bah justement, puisque tu parles de buts, il y a un homme qui en empile, qui a dépassé la barre des 900 buts, c'est Cristiano Ronaldo, les gars. Bah, la semaine dernière, le gars, il a dépassé 900 buts face à. Je sais contre qui ils ont joué au Portugal. J'ai même la oublié. Croatie. La Croatie, merci. Ouais. Hier encore, d'ailleurs, je regardais Portugal et encore, c'est lui qui marque le but de la victoire. Quand est-ce que s'arrêtera-t-il ? La semaine dernière, dans une interview qu'il a donnée, enfin interview, dans son émission sur sa nouvelle chaîne YouTube, il assurait dès qu'il avait déjà atteint le Graal en remportant l'Euro 2016 avec sa sélection. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Hein, je vais citer ces mots. Hein. Donc, ces mots, c'est pour le Portugal, gagner un championnat d'Europe et qu'il voit une Coupe du Monde. J'ai déjà remporté deux trophées pour le Portugal, Euro 2016 et la Ligue des Nations. Donc, soulignez bien qu'il... Pour lui, la Ligue des Nations, il compte dedans, il compte comme trophée majeur. Tout ce qui vient ensuite est spectaculaire. Je ne suis pas motivé par ces raisons, je veux profiter du football à chaque instant. Je sais que ces mots ont tiqué chez certains, ici, en tout cas dans la 90e, notamment Christian qui nous suit. Moi, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous, le garçon, il marque encore un peu plus ses complexes qu'il a par rapport à son rival éternel Messi, en voulant dire qu'aujourd'hui, l'Euro... C'est tout aussi important qu'une Coupe du Monde. Franchement, ou tout simplement, il c'est, a tout à fait raison. C'est triste. Ça rejoint un peu même les propos qu'il avait eus sur cette même chaîne par rapport à Pelé, où il avait dit ouais, moi, mes 900 goals au moins, ils ont été filmés. Oui. Je comprends pas pourquoi tu finis ta carrière comme ça, Chris. Enfin, pourquoi t'as des propos t'as tels besoin quels de... avec la carrière qu'il a. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il se rend compte que. Que c'est bientôt fini. Ouais, que c'est bientôt fini. Peut-être pas qu'il est dans l'oubli ou quoi, hein, mais qu'en tout cas, il. Je comprends vraiment pas. Je comprends pas. Après, je réfléchissais à ce que Dédi avait un jour dit en off par rapport à son propos sur l'Euro et la Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'en soi, le Portugal ne sait pas ce que c'est que de gagner une Coupe du Monde ou même ne savait pas ce que c'était de gagner un Euro. Donc peut-être que voilà, dans son imaginaire, il se dit que c'est la même chose parce qu'au final, c'est un trophée d'équipe nationale. Donc c'est la même fierté. Mais... Tout connaisseur en fait, de foot, tout joueur doit quand même se rendre compte. Dans le chat, ça me fait rire. Les mots de CR7, c'est Nil le mec trésor qui dit vieux CR7, je respecte, mais il est temps de prendre les médocs. Christian qui dit CR7 est un très grand complexé. Et Fadi, même en régie, qui rajoute c'est un grand complexé. Je crois que ça fait l'unanimité. Je veux quand même un défenseur. Dédi, sois le défenseur aujourd'hui, même si tu l'as taillé dans ton coup de cœur. Je l'ai taillé dans mon coup de cœur, c'était un coup de gueule. Mais ici, je vais le défendre. Je crois qu'il est complexé par rapport à Messi. Okay, moi, à sa place, rien que par fierté et dignité, j'aurais jamais dit ça. Mais maintenant, si on prend le propos dans le fond, le gars, il a juste comparé les potentiels résultats des sélections, Argentine et Portugal, avec les résultats qu'il a lui atteint au Portugal et ceux que Messi. Mais est-ce qu'on est sûr qu'il compare ça ? Pour toi, il fait. Donc, t'es d'accord que pour toi, il se compare à Messi ? J'écoute ce qu'il dit et pour moi, c'est le fond. En gros, c'est pas CR7. Mmh. Disons que c'est une personne que je respecte et tout, et je sais. Enfin, je ne sais pas qu'il a un. Tu vas pas dire qu'il compare l'Argentine, voilà. Voilà. Donc objectivement, son propos, il est vrai. Il est vrai parce que. En quoi il est vrai? Mais parce que pour en soi, je peux comprendre Dédi parce que en fait, pour ta sélection, tu fais partie d'une sélection européenne, déjà gagné un euro. Je crois qu'on est en train de banaliser ce que c'est un euro. Que dans le palmarès du Portugal, j'ai noté. Dans leur palmarès, il y a un truc qui m'a fait trop rire, c'est qu'ils sont, ils ont un trophée de l'équipe la plus spectaculaire de 2006. C'est dans leur palmarès. Et l'Argentine, ils ont 6 finales de Coupe du Monde, 3 gagnées, 15 Copa América. Et vous comparez avec le Portugal qui a gagné 1 euro. Et dans cet euro, CR7 a scoré, a donné des passes décisives et il a marqué tous ses tirs au but. Non, moi je peux comprendre. Hein. Moi je peux comprendre que CR7 se dise. Mais attendez, j'ai amené une petite équipe historiquement le football. Il y a quand même dans le football. Mais est-ce que tu penses que c'est est-ce que tu penses que gagne, moi en fait historique, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses que Cristiano Ronaldo se dit parce que moi j'aurais dit ok si c'était un autre, mais quand on voit c'est un tout. En fait moi aujourd'hui quand je vois après je te donne la parole José, mais quand je vois le tout, il y a même à la remise des trophées The Best Ballon d'Or, le mec se pointe que quand. On lui remet un trophée. Regarde, il est venu à la dernière remise des trophées parce qu'on lui a donné son truc de goal. Il vient pas. Modric a eu un ballon d'or en 2018. Il était parti l'année, juste avant, même quelques mois avant. Il s'est pas déplacé. Un mec qui a quitté à jouer 10 ans.
Tu vois, je me pose quand même des questions et j'ai l'impression que c'est un mec qui est tellement complexé qu'il en oublie parfois la raison. Bien, tu vois. Faut pas vous méprendre. Je dissocie vraiment CR7 des propos. Les propos pour moi sont justes et il y a un fond qui est juste. Juste par rapport à mais quoi je sais que lui, ça vient juste d'un complexe. Je le sais très bien. Ils sont, c'est juste par rapport à quoi? Parce qu'en fait, on aime tous le football et on sait que le trophée historique de ce sport, ça reste la Coupe du Monde. Ce qui a fait les légendes de ce sport, c'est la Coupe du Monde. C'est vrai que maintenant, à l'Euro, on a cette impression que ça représente, entre guillemets, les meilleures nations footballistiques parce que la majorité des joueurs européens jouent en Europe. On va dire que les infrastructures européennes sont plus avancées et tout le chic-chac, ok, et ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit à l'Euro 2016, les équipes qu'ils ont battues, ce n'était pas non plus des foudres de guerre. Mm-hmm. Je pense qu'à cette compétition-là. Mais ils ont gagné cette compétition sans gagner un match dans les 90 minutes, hein, si vous savez bien, en 2016. Ouais, c'était bah, ils sortent du groupe en étant meilleur troisième, et puis ils gagnent au tir au but, et puis en prolongation. Je pense même que la victoire de la Grèce était bien plus compliquée au vu de l'adversité qu'ils ont été amenés à mettre de côté. C'est pour ça que déjà en 2004, quand ils arrivent en finale, CR7 était important aussi, notamment en demi-finale. Il était là, il avait 19 ans, c'était un gamin. Le gars, se dit, j'ai quand même permis deux fois à mon équipe d'arriver en finale, dont une fois on a gagné. Ce qui est drôle. Ah, et c'est pas une équipe, c'est vrai, pas une Ferrari attendez, comme Messi attendez, a eu vous, hein, vous, en Argentine. Vous êtes en train hein. de me dire donc que... CR7, il est en train de dire que l'Euro, c'est la compétition la plus difficile. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Bah, il dit que c'est la meilleure des compétitions. Non, mais il a déjà fait cette comparaison-là voilà. dans une interview. Mais je veux dire, si c'est la compétition la plus difficile, pourquoi alors il n'a jamais brillé en Coupe du Monde? Je pense que la dernière fois qu'il a brillé véritablement en Coupe du Monde, hormis son triplé contre l'Espagne dernièrement, je pense que c'était en demi-finale ou en quart de finale contre l'Angleterre. En 2006. Donc, bon, après, on va pas faire le procès de Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde. Moi, j'aimerais un moment réorienter le débat parce qu'il nous reste seulement 4 minutes ici dans ce débat-ci. Et d'ailleurs, le chat en demande parce que je vois une remarque qui a été très appréciée par les autres dans le chat où Dani nous dit le vrai débat CR7, c'est pas sur ce qu'il fait, mais il est devenu un poids pour la sélection qui l'empêche, il empêche l'équipe d'évoluer. Moi, c'est la question que je te pose, Nathan. Oui, et après, José, tu peux en venir là-dessus. Mais est-ce que pour toi, CR7, maintenant, Roberto Martinez ferait soit de prendre. On dit c'est Coronel, je sais pas comment on dit en portugais, mais c'est Coronel entre les mains et dire stop, ou alors Cristiano devrait avoir l'humilité de dire bon, je même s'il a encore marqué hein, hier encore, c'est lui qui offre le but de la victoire. Mais c'est ça que j'allais dire. Est-ce que pour toi, il ne cache pas, en fait, ses buts en sélection ne cachent pas les problèmes, tous les soucis qu'il y a quand le niveau s'élève un peu plus, parce qu'on l'a vu lors du dernier Euro, c'était un point. Hein, je pense que quand on voit, il y a eu pas mal de joueurs de qualité, Rafael Leao, Silva de Leipzig, il y a eu plein de joueurs portugais qui ont du mal à s'épanouir. Avec CR7 à leur côté. Et c'est pas le premier. Oui, on a eu Higuain, on a eu parfois Benzema. Il y a eu beaucoup de joueurs comme ça qui ont eu du mal. Mais, à sais, mais en fait, je trouve que le plus triste dans cette histoire, c'est que, comme tu viens de le dire, il marque encore dans les deux derniers matchs. Donc en fait, je pense qu'il est toujours compétent pour jouer dans cette sélection, en tout cas au niveau dans le rôle de buteur. Quoi et qu'il il a commencé en banquette en plus. Mais le problème, c'est qu'il a en fait ce allez, comment dire, il a toute cette emprise, cette aura qui, c'est vrai, ne permet pas à certains joueurs de jouer à 100% et d'être eux-mêmes. Donc c'est vrai que c'est un problème. Mais est-ce que alors, du coup, c'est pas le problème, c'est pas les joueurs? Parce que ici, il y a Zidi, il prend le pays en otage. C'est Cristiano. Mais certes, c'est un poids, mais si les autres ne savent pas jouer, prendre le relais, on voit pas pourquoi on l'enlèverait. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter. Juste prendre un exemple. Je suis sûr que Bernardo Silva, il se retrouve devant le gardien, point de pénalty, il voit Cristiano à droite, plutôt que de frapper, il va faire la passe à Cristiano. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Ouais, et tout le monde dira, oui mais il n'y a que Cristiano qui est capable de marquer. Non. Non. Vous irez Cristiano et vous aurez un collectif où le danger pourra venir de partout. Je pense que tout ce qui est Bernardo Silva, Diego Jota, tous ces joueurs, ils savent jouer ensemble. Même Joao Félix, qui a perdu son football à Diego. Tu vois l'exemple que tu viens de donner. Moi, je rejoins un peu ce que Lens vient de dire. Et c'est peut-être un peu aux autres joueurs de montrer un peu de caractère. Non, c'est plus qu'un joueur, c'est une marque. Le type, c'est peut-être le Portugais le plus important du monde. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte du poids qu'il a sur ses coéquipiers. Vous pensez que vous voyez toujours comme un joueur. Mais on s'en rend compte. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact négatif. Mais comment ça, qui va tirer l'équipe? Mais laissez ces gamins profiter. Prenons ligne par ligne. Il y a les Diogo Jota. Même. Derrière, il y a qui comme patron? Leao, il a fait. Comme patron d'équipe? Bruno Fernandes, Diaz.
Hernandez, on l'a vu à United. Quand il est arrivé, il faisait le patron. On lui a tout donné à United. Laissez ces gamins dans les gros matchs. Jouer au football il avec leur génération. En plus, on le voit même, il y a des fois, Léo, il allait tellement vite qu'il devait attendre Cristiano Ronaldo qui était à la traîne. Parce que pour moi, Cristiano Ronaldo. Léo, c'est pas quelqu'un qui va remplacer CR7. Ce que je suis en train de dire, c'est que moi, je n'étais plus en phase avec son équipe. Nathan, ce que j'aime pas, j'ai l'impression que tu es en train un peu de parler des performances des autres joueurs portugais qui seraient causées par, soi-disant, la présence de Cristiano ou pas. Moi, je ne suis pas totalement d'accord sur le côté leadership parce que je pense que du leadership, tu peux en développer ou quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, sur le rôle de buteur, même en tant que tel, je ne sais pas s'il y a un meilleur buteur que Cristiano en sélection pour le moment. Il n'est pas un attaquant. Je ne suis pas sûr de cela. Il n'a pas les mouvements d'un attaquant. Mais actuellement, il joue comme. Les mouvements d'un attaquant, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quant à sa carrière, même quand tu vois les buts hier, le but hier, il a quand même des mouvements d'attaquant. À 39 ans, quand tu avances plus, tu peux mettre autant de buts. N'importe qui dans cette position-là, il va mettre les goals. Non. D'ailleurs, dernier euro pour illustrer un peu ce que représente Cristiano Ronaldo. Il y a un pénalty, je pense que c'était contre la Slovénie, à la 120e, qui doit qualifier les Portugais. Encore une fois, il veut avoir ses glorioles. Il le rate. Il a pleuré comme une. Non, attention, ne déborde pas. Mais ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Tu mets n'importe qui. Vous allez me faire croire que Bernardo Silva ou alors Bruno Fernandes, il ne sait pas. Ok, ça, on le verra. Cristiano, merci. Bonsoir. Très rapidement, une minute, top chrono. L'ingratitude est incroyable. Une minute. C'est un truc de fou. Donc, on va reprocher à Cristiano Ronaldo de prendre ses responsabilités comme il l'a fait pendant toute sa carrière parce que ces petits pisseurs-là à l'Euro n'osaient pas prendre le ballon. Faut arrêter. À un moment donné, moi j'ai regardé les matchs de Cristiano Ronaldo à l'Euro. Ok, il n'a pas été super bon comme il a été super bon en sa carrière. Il est rincé. Mais je suis désolé, il y a des moments où il faisait des appels, il ne recevait pas la balle. Mais parce qu'il est rincé. Non, parce que ses joueurs ne sont pas au niveau. Il est rincé. Tu joues en Arabie Saoudite, vous aimez pas. Ok, les gars. De toute façon, on va pas s'entendre. Je vais juste lire le dernier commentaire de Christian qui nous dit : suffit de rappeler quand Ramos a joué à sa place, le jeu du Portugal était magnifique, ils ont un vrai potentiel, Martinez doit le chasser. Et c'est sur un match ou deux, et vous êtes. Ok. On parle d'une équipe qui a gagné l'Euro et qui veut encore gagner l'Euro. On ne parle pas d'une équipe qui doit gagner des matchs à l'Euro. Il veut jouer avec son fiston quoi, comme c'est le bronze. Ok, les gars, on doit passer à la suite parce qu'on est déjà en retard. Dernier sujet pour cette première partie avant qu'on fasse les rankings de la 90e, c'est un phénomène qui s'accentue d'année en année, c'est le phénomène des joueurs libres sur le marché des transferts. Moi, j'ai regardé un peu la liste des joueurs, on va dire entre guillemets, ultra réputés qui sont libres encore maintenant et on est quand même le 9 septembre. Rabiot, Depay, Martial, Ben Yedder, Dele Alli, Hummels, il vient de signer à Rome il y a quelques jours. Depay va signer au Corinthians. Ça reste quand même que jusqu'à quasiment deuxième semaine de septembre, il était libre. Yazici, Krikoviak, assez âgé maintenant, Léo Dubois. On a quand même des internationaux ou ex-internationaux en puissance. Comment vous expliquez ça quand même depuis le Covid? On voit quand même qu'il y a pas mal de joueurs qui vont au bout de leur contrat. Comment vous expliquez? Moi, j'ai juste une analyse qui n'a rien à voir avec le football. C'est que le football est devenu un business et que le prix des joueurs a tellement augmenté qu'on peut les comparer à des matières premières. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, comme les matières premières sont trop chères pour les clubs, pour qu'ils puissent produire de la qualité ou en tout cas de la quantité, en fait, ce qui se passe, c'est que les clubs soit réduisent leur qualité et donc leur production et donc n'achètent plus ces matières premières en grande quantité, soit tout simplement soit ils réduisent la quantité, soit ils réduisent la qualité. Et donc je pense que les clubs sont juste là, en train d'attendre que les joueurs n'aient plus de contrat pour les acheter. Ils veulent pas acheter parce que c'est trop cher. Et donc ils se disent, qu'est-ce que je fais? Je capitalise sur ce que j'ai, mes ressources que j'ai en interne, et maintenant j'essaye de réduire les coûts, faire en sorte que ce soit plus efficace, plus productif, et on fait en sorte que tous les joueurs qui sont dans le club puissent ramener plus au club, et on va acheter la star ou le joueur qu'on veut quand il sera disponible sur le marché. Et puis je pense que les joueurs aussi ont un certain intérêt à faire ça, c'est que évidemment quand t'es libre tu prends plus dans ta poche aussi en signature. C'est win-win, hein. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui se généralise de plus en plus et ils attendent tout ça. Peut-être, après, je m'avance peut-être, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui dans cette liste, dont l'entourage peut parfois faire peur aussi. Donc, quand on voit par exemple Rabiot, on sait que par le passé, sa maman a toujours eu maille à faire avec différents clubs. Et il faut aussi savoir que ces joueurs-là ne viennent pas, entre guillemets, vraiment gratuitement, parce qu'il y a un salaire qui doit être payé, et souvent c'est un salaire conséquent. Et de ce qu'on peut lire, en tout cas, beaucoup de ces joueurs-là ne veulent pas s'asseoir sur leurs émoluments. Mais ils doivent aussi prendre en compte leur âge, c'est-à-dire qu'ils ont 30 ans,
comme Dédi disait, en fait, ce ne sont plus des valeurs, en fait, ils n'ont plus une valeur de revente par après. Donc, c'est quand même, ça reste quand même un risque pour ces clubs de prendre des joueurs, entre guillemets, âgés, avec, même si, voilà, ils ont un CV qui sont long comme le bras. Mais moi, je pense qu'il y a cette question aussi d'entourage qui revient, que ce soit Memphis Depay, que ce soit Rabiot. Et les clubs, peut-être, hésitent à faire le pas, en tout cas. Ouais. Moi, je pense qu'il faut quand même séparer les deux catégories. Hein. Il y a des joueurs qui le font de manière qu'ils le veulent. Je pense notamment à Antonio Rudiger qui, quand il a quitté Chelsea, a fait exprès de partir libre et qui a pris, je pense, 30 millions dans sa poche en signant à Madrid. Il avait sûrement un préaccord. Voilà, il y avait un préaccord. Et il y a des joueurs qui ne le veulent pas. Tu viens de citer Léo Dubois. Léo Dubois, c'est quand même rocambolesque, hein, l'histoire qu'il a vécue avec Galatasaray. Donc, il faut comparer les deux. Effectivement, c'est plus intéressant financièrement pour les joueurs. Maintenant, tu as cité certains joueurs, mais je pense que quelqu'un comme Rabiot, bon, peut-être ça, c'est... Peut-être que je suis la seule personne qui voit ça de cette façon-là. Je pense que ça ne doit pas être un joueur qui doit être en manque de demande parce que c'est un milieu. J'ai lu qu'il avait déjà eu deux offres. Ouais, voilà, c'est un milieu qui peut apporter à n'importe quelle équipe. D'Italie. Je pense juste que certains joueurs, pour le moment, font une sorte de burn-out du foot. Rabiot, c'est quelqu'un qui a commencé à 16-17 ans. Il s'est fait assez d'argent en jouant à Paris, à la Juventus et tout ce qui suit. Il prend le temps. Et donc, je pense qu'il prend simplement le temps, quelques mois, pour profiter de son argent et après revenir un peu. Ça, c'est une vision que j'aurais. Et le fait aussi qu'il y ait tellement de matchs aujourd'hui, est-ce que ça ne leur permet pas, comme tu dis, de prendre leur temps? Parce qu'aujourd'hui, tu es un Rabiot. Aujourd'hui, tu es un Rabiot. Tu sais que, OK, peut-être tu vas passer 3-4 semaines à faire une prépa individuelle. Tu vas être sur le banc après 2-3 semaines. On va te faire monter 5-10 minutes. Mais au final, avec un Rabiot, il va signer dans un grand club. Un grand club, aujourd'hui, c'est entre 50 et 70 matchs, minimum 45. Il sait qu'il aura du temps de jeu. Donc, par rapport à avant où tu dis, ouais, j'arrive 2-3 mois en retard dans mon effectif, je risque de prendre du retard. Mais là, aujourd'hui, il y a tellement de blessures, tellement de compétitions. Il sait qu'il jouera de toute façon. Et puis surtout. Vous pensez qu'il y a une demande si grande pour Rabiot? Je sais qu'il a refusé de venir. C'est un joueur qui se blesse très peu. Quand je dis demande, c'est au prix de Rabiot. Au prix de Rabiot, au salaire. Exactement. Après, il vient de du Serie A, c'est pas énorme. Ouais, mais il va arriver libre. Et comme on vient de dire, donc il va arriver libre. Il n'y aura pas de transfert. Il arrive, il sera intéressant. Il va se blesser 30 ans. Il est gaucher, il est grand, il a du football. C'est un joueur complet. Il se blesse très rarement. Et il touche que 7-8. Je dis que, entre guillemets, il ne faut pas que ça choque les gens. Non, mais à l'échelle d'un grand club de première ligue ou même d'un grand espagnol, Barça, c'est rien. 8 millions. Non, mais Juventus, attends, paye des salaires. Tu fais, non, mais t'amènes un Rabiot à ce salaire-là au Barça. Faut quand même regarder. Non, mais après, sont les salaires. Non, mais après, là, il va diminuer aussi. Non, je suis pas d'accord. Il va aussi probablement diminuer, etc. Non, Rabiot n'a jamais diminué. Il va diminuer en salaire, il va prendre plus en prime signature et t'aller sur le nombre d'années de contrat. Tu vois, il y a toujours moyen de trouver des trucs. Il est libre aussi. Est-ce que tu veux faire cet effort pour Rabiot? Bah, écoutez, les gars, vous faites le comparatif. Oui, il pourrait jouer. Titulaire normalement en sélection nationale, a joué à Paris, à la Juventus. Gaucher, grand, c'est jouer à plusieurs postes mieux. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de son profil. Non, oui, je veux bien que ce ne soit pas l'élite de l'élite. Il n'y a pas beaucoup de joueurs en première ligue. Il y a n'importe qui. Mais est-ce que lui, ça l'intéresse? Parce que Rabiot, il n'a connu que le très haut niveau. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que s'il est encore libre, c'est justement qu'il n'est pas intéressé. Ce garçon, comme l'entendit, moi, j'ai l'impression que lui, après, on ne va pas faire une fixette sur Rabiot, on parle de lui parce que c'est pour moi le plus représentatif. Pour moi, lui, il attend vraiment de voir le meilleur club qui s'offrira à lui, parce que je ne peux pas croire qu'un joueur comme lui, avec le profil qu'il a libre, il doit avoir au moins 15 clubs, après peut-être pas sous chapeau 1, mais 15 clubs, 15 offres sur la table. Mais quelle offre? Mais est-ce que ce sont on des clubs qui sont son rêve est de jouer à Manchester United. Oui, avec la Ligue Champion à 36 équipes aujourd'hui, il y a d'office 10 parmi ces 36-là qui lui ont sous. Et qui ont l'argent pour le... Je suis même persuadé que quelqu'un comme le Real, Perez a peut-être fait une offre, peut-être... On sait pas. Discount, moi, je pense que vous sous-estimez la cruauté du monde du football. Je pense aussi. Rabiot est libre. Moi, je suis sûr qu'on vient chez lui, on lui dit on va te donner un euro, tu signes. Parce que je suis sûr qu'il accepte pas parce qu'on lui donne pas ce qu'il veut. Ouais, on lui donne pas et ce qu'il veut. Et c'est peut-être ce qui arrive aussi à Martial. Parce ça que 28 vite, ans, c'est bizarre, Martial aussi, qui trouve pas Martial. Et même l'autre Benito. Là, il a quand même retrouvé un club tardivement. Mais après, lui, c'était une volonté de rester en Italie aussi. Ouais, c'était spécial. Il aurait eu des prétendants, mais lui, il voulait rester en Italie aussi, notamment pour sa vie personnelle, de ce que j'ai lu. Des gens comme Colomoigny, on les achète à plus de 90 millions. Et t'as des gens libres avec qui tu vas négocier. Non, tu vas leur dire, écoutez, t'as pas de club, tu signes au salaire qu'on te donne, c'est tout. Et dans le chat, Fadi nous dit Rabiot, je le prends tous les jours chez moi, mais sans sa maman si possible. Mais bon, après, au final, sa maman, elle, qu'est-ce que tu veux lui reprocher dans sa carrière? Elle a bien géré, le garçon, il a joué partout, il a pris son argent, et aujourd'hui, elle trouvera un club qui lui donnera encore beaucoup d'argent. Et au final, elle est pas pire que Mendes. Je pense qu'il aurait pu aller plus haut encore. Oui, il aurait pu aller plus haut, c'est vrai, mais, mais peut-être aussi, on ne sait pas, sans sa maman, peut-être qu'il aurait été aussi plus bas. Donc voilà, on pourra toujours épiloguer, mais en tout cas. Encore autre chose à dire sur les cas des joueurs libres, non? Non. Non, moi je me demande si les prix vont un jour chuter.
Ah, non, ça, c'est une bonne question. Je pense que tu as fait une bonne comparaison avec le monde de l'entreprise et les matières premières. Hein. Je pense que maintenant, un joueur, c'est vraiment devenu un investissement sur un bien. C'est ouf, hein. Et donc, ça va continuer à augmenter. Hein. Cette bulle ne va jamais exploser, surtout en première ligue. Wow. Ok, les gars, ben, ça clôture cette première partie. La deuxième partie, elle sera un peu plus fun, puisqu'on va aller sur les rankings. Mais avant ça, Taylor nous a concocté un parfait jingle. Donc, comme on l'a dit, hein, qui dit trêve internationale dira qu'on essaiera à chaque fois de faire ce qu'on appelle les rankings à l'entier, mais pas les chapeaux. Nous, c'est les rankings. Donc, on a longtemps réfléchi à cette dénomination. Donc, c'est important, on va l'appeler les rankings. Donc, juste pour expliquer un peu le principe pour que les auditeurs suivent, c'est assez classique. Hein, donc, il y a une liste d'attaquants. On va commencer par les attaquants aujourd'hui. Il y a une liste d'attaquants, et je vois d'ailleurs que ça monte un peu dans le chat en termes de visionnage. Je ne sais pas si les rankings attirent beaucoup de gens, mais en tout cas, continuez. Et surtout, les gars, comme je vous ai demandé, parce que je vois qu'il y a toujours zéro pouce. Les pouces, parce que ça pousse l'algorithme, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, donc, les rankings, le but, c'est juste de classer les joueurs en fonction de leur importance ou de leur niveau. Donc, nous, ici, on a 5 chapeaux. Donc, on a le chapeau, le ranking 1, qui est le joueur, on va dire, titulaire indiscutable dans toutes les équipes. Donc, c'est l'élite. Le joueur élite, le gratin mondial. Le ranking 2, bah, c'est le joueur top mondial, très bon joueur. Donc, aussi un titulaire, mais pas nécessairement indiscutable. Le ranking 3, c'est le joueur moyen, le bon joueur de club, voilà, qui pour moi c'est un peu là un Matuidi, on va dire, un joueur qui fait un peu le, mais c'est pas nécessairement le joueur que Matuidi, mon fils. Ouais, pour certains c'est chapeau, c'est ranking 2. Et puis on a ranking 4, c'est le joueur pour nous qui joueur vraiment pas bon, enfin pas bon, qu'on ne prend pas en tout cas dans notre équipe. Et puis il y a hors chapeau, ça, c'est vraiment, on ne sait pas ce qu'il faut au foot de haut niveau, catastrophe. J'espère qu'on n'en aura pas beaucoup, parce que c'est quand même insultant. Ouais. Donc voilà, ici les gars, on a 34 noms, je vous ai préparé une liste de 34 noms. Je vous dis déjà, j'ai mis les noms peut-être qui sont un peu moins prestigieux en bas, comme ça, si on n'a pas le temps, ne vous cassez pas la tête, on ne le fait pas. Le but, c'est quand même que ça mène à certains débats. Mais on va essayer quand même de le faire de manière efficace. Donc quand je dis stop, c'est stop. Quand vous voulez discuter, il n'y a pas de souci, on peut toujours. Mais voilà, essayons quand même de se mettre d'accord. Ça fait unanimité, essayons pas d'épiloguer pendant une heure. Ça va ? Chaud, les gars ? Dans le chat aussi, j'espère que vous êtes chaud. Hein. Parce que je vois déjà, Lens va nous dire bientôt que Perez vient passer un coup de fil. 13 ans. Ah, mais Laetitia est là, on la salue. Merci Laetitia pour le soutien. Le premier, ben, les gars, je ne sais pas si ça fera beaucoup de débat, c'est Haaland. Ah, c'est un. C'est un pour tout le monde. Ah. Non mais les gars, pour moi c'est deux. Il faut juste rappeler la définition. Mais ce sera chapeau 1 au final, hein, ranking 1. Ouais. Mais voilà. Il faut rappeler la définition de ce que c'est qu'un chapeau 2, c'est un top mondial. Oui. Alors que chapeau 1, c'est vraiment une étoile, c'est l'élite sublime. Et je reprendrai du foot actuel. Je reprendrai un peu la phrase de Roy Keane qui avait dit Haaland dans le rectangle, c'est élite. Mais en dehors, c'est un joueur de D4. J'irai pas jusque-là. Oui, Roy Keane, c'était Ronaldinho. J'irai pas jusque-là. Tout ça pour dire. Aussi, il aime beaucoup. Non, mais. Il s'est fait tailler aussi par l'autre, par Carragher et d'autres. Voilà, Carragher. Donc voilà. Oui. C'est pour dire que quand tu vois Haaland, d'ailleurs, il y a la finale de Ligue des Champions qu'il a jouée, elle était absolument exécrable. Il y a des gens qui sont d'accord avec toi dans le chat. Exactement. Moi, je les comprends totalement. Et c'est la première fois que je peux m'exprimer en fait sur le cas Haaland. À un moment, le football, on l'aime parce que justement. La quintessence de ce sport, c'est un sport surtout d'agilité, de mettre la balle au fond des filets, mais R9 a redéfini le poste de numéro 9. Mm-hmm. Et quand on a aimé R9, on ne peut pas s'extasier sur les attaquants que nous voyons actuellement. Moi, Haaland, j'ai aucun problème avec lui, c'est un finisseur de génie, on peut le dire, il a une finition clinique, mm-hmm. mais en dehors, l'année passée, même Guardiola a dû le défendre, c'est vraiment extrêmement faible. Ouais, mais vraiment, vous n'êtes pas misé par le fait que Benzema. Je termine et puis je vous laisse. Moi, maintenant. Attention, on ne fera pas une spéciale à l'heure. Si je mets maintenant. Romelu, il va mettre deux après. Si je mets la somme des deux, à savoir sa qualité exceptionnelle de finition et son jeu au pied et son jeu d'équipe qui est famélique, je ne peux pas le mettre en tant qu'élite. C'est pour ça qu'il échappe aux deux top mondial. Ok. Moi, ce que j'aime pas. Rapidement, Nathan, et puis on clôture. C'est quand tu cites Ronaldo. Ronaldo est. Peut-être pour certains, déjà pour deux personnes, R9, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Donc comment peux-tu baser un avis sur Haaland à partir avoir un benchmark comme le meilleur joueur de l'histoire? Attends, je continue juste. Ensuite, mon deuxième point, c'est on lui demande quoi à Haaland de marquer?
on lui demande pas de participer au jeu. Faut arrêter un peu ce révisionnisme qu'on a sur les attaquants. Dans le système Pep, justement. Non. Mais après, il fait son travail. Non, non, non. Je suis pas d'accord avec ça parce que pendant plusieurs années, Pep a eu des joueurs du style. C'est vrai aussi. Gabriel Jesus. Il marque un point. Agüero, bon, ça va faire les deux. Mais qu'est-ce qui a posé problème avec Gabriel Jesus? C'était que c'est un joueur qui participait beaucoup au jeu, mais qui ne marquait pas assez, qui n'était pas assez décisif. Aujourd'hui, maintenant, Manchester City a atteint tous ses objectifs. Comment? Bah, je pense pas que c'est grâce à Haaland pour moi. Attendez. Parce qu'il s'est manqué en finale de Ligue des Champions. Il s'est pas manqué que en finale, il s'est manqué en demi-finale. Moi, ce que je dis, et encore, on fait partie aussi de l'époque, on peut dire, hein, les attaquants qu'il y avait en 2010, on peut les citer. Ça, quand même, hein. Il faudra la noter, Aguero, c'est Nathan qui pose cette question et José qui dit pas Haaland. Ça, je pense que tu vas te faire dégommer quand même sur l'épaule. Non, pas du tout. Non, mais tu peux quand, dire quand que c'est tu pas vois, grâce à Haaland quand même qu'il a une grosse part. Il finit mieux en hauteur de la vue. On a vu sa finale. On a vu les demi-finales contre le Real Madrid. Si vous me faites croire, mais des attaquants qui ont raté des finales sont inexistants. Pas oui, franchement, s'il vous plaît, Dédine n'a pas encore eu. Et après lui, on clôture à Londres. Allez, José, on va pas rester 6 minutes, 10 minutes sur Londres. En 2006, c'est ce qu'on a vu Thierry Henry en finale de Ligue des Champions. Voilà. Mais merci. Voilà, vas-y, Dédine. Il me sort tout le temps le Real Madrid. Il a Rudiger sur le dos, qui fait une année incroyable. Qui fait un marquage individuel sur lui. Parce que Rudiger, c'est devenu Paris. Attends. On reviendra au ranking des défenseurs. Mais attends, t'as Rudiger sur le dos. Haaland fait pas. Ok, il a pas gagné son duel, mais il a pas fait un match exécrable. Il a combattu face à Rudiger. Il s'est fait battre. Les amis, on a le droit de perdre. Non, mais on a le droit. Je trouve que un joueur a le droit de perdre un duel. C'est pas la fin du monde. Okay. Il peut perdre un duel dans un match. Ok, maintenant José, rapidement avant de passer à Mbappé, est-ce que tu veux changer ton chapeau, oui ou non? Non. Ok, on garde le 2, mais de toute façon, ça changera rien. Ça fera 1 au final, puisqu'on est tous d'accord sur le 1 à part toi. Non. Mbappé, les gars. Chapeau 1. C'est un attaquant chapeau 1. C'est en attaquant en 9. Ouais, c'est les attaquants. L'attaquant Mbappé. Non, moi, en 9, c'est un 2. Chapeau 2. Ok, José. Pour moi, c'est un 2. C'est pour les mêmes raisons qu'Haaland, parce qu'il n'est pas spécifique au ce poste. Non, moi je mets Haaland 1, parce qu'un attaquant, c'est pas juste créer le jeu comme Benzema, etc. Et même si on dit qu'il est mauvais dans le jeu, il a des excellences sur d'autres paramètres. Le placement, le positionnement, etc. Ce que Mbappé n'a pas. Pour moi, le positionnement de Mbappé est inférieur à Haaland. L'anticipation, inférieur à Haaland. Le jeu de tête, inférieur à Haaland. Désolé, mais le flair inférieur à Haaland. Donc, à un moment donné, il est 2, Haaland 1. Eh ben, je vais laisser le ranking final de Mbappé ça fait deux. Sans rien pour le moment, parce que là, on a Nathan et moi qui mettons 1 et vous 2 en 2. Donc, moi, je vais laisser le chat décider. Okay. On verra de quel chapeau ils veulent qu'on le mette. Et ce sera le chat qui participera du coup au ranking et nous donnera le chapeau final. Fadi, tu peux mettre un sondage même dans le chat, comme ça, sur base de la réponse dans le chat. Est-ce que Mbappé est chapeau 1 ou 2? Enfin, ranking 1 ou 2, sur base de ça, on mettra... Voilà, là, t'as Dany dans le chat qui dit que Thierry Henry est surcoté. Non, mais c'est à cause des arguments de José. Hein, pour en revenir rapidement à Mbappé... Non, c'était terminé, Mbappé. On termine. Désolé, José. Sinon, on a fait que deux joueurs. Là, c'est vrai. Non, gardez, il y en a qui arrivent. Le prochain, c'est Lautaro Martinez, qui, je rappelle, a fait une excellente saison l'année dernière, parce qu'on disait souvent que c'était à l'association avec Lukaku. Il a su montrer quand même qu'il a fait. Il a participé à l'épanouissement de Lukaku. Et là, il participe à l'épanouissement d'un joueur qui, pour moi, est encore plus mauvais que Lukaku. Il était où en Ligue des Champions? Il était où en Ligue des Champions? Mais attends, chapeau. Je reviens sur toi, José. Chapeau 1, et je pense qu'il à cause du manque d'exposition de la Serie A, on n'en parle pas plus. D'accord, Dédé. Chapeau 1. Chapeau 2. Ok. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui. José. Chapeau 2. Et il était où en Ligue des Champions? Bon, à nouveau, c'est la même chose que Mbappé. Hein. Moi, quand c'est comme ça, je laisse libre au chat et on reviendra après. Ensuite, on regardera sur base des commentaires. Mais à nouveau, moi, je me pose quand même des questions, les gars, sur votre connaissance du foot. Parce que si Lautaro et Mbappé sont chapeau 2, quand même. Je pense que sa seule compétition réussite. Sa seule compétition réussite avec l'Argentine, c'est récemment. C'est la Copa où il termine meilleur buteur. Quand on voit qu'en phase d'élimination pour la Coupe du Monde, je pense qu'il est à 7 matchs, 0 but. Il a brillé en Italie et c'est à peu près tout. Donc il y a des attaquants à l'époque qui brillaient, des Van Persie qui brillaient en PL mais qui n'arrivaient pas en équipe nationale ni
en LDC ou un peu moins. Le tarot. Non, non mais attends, le tarot en de... Copa, il a brillé. Hein. Et c'est ça que je suis en train de dire. Ah, okay, c'est okay. sa seule compétition, parce qu'à la Coupe du Monde, okay, okay. je pense mais qu'il a avantagé. Mais c'est déjà bon, ça, il a 27 ans. Ça, hein. Oui, il faut bien commencer. En tout il cas, en fin de carrière. Pour Mbappé, pour le moment, sur 8 votes, on a quand même 62% de chapeau 2. Donc, on va se diriger vers le chapeau 2. Eh oui. Le peuple a parlé. Vous pouvez faire le même exercice pour Lautaro, pas nécessairement en sondage, mais si vous voulez mettre des commentaires, vous pouvez donner votre chapeau pour Lautaro Martinez. Lautaro, il excelle vraiment dans son registre. Dans son registre. Franchement, ouais, moi, je trouve ça un attentat complet quand même. Giroud et chapeau 1 dans son registre. Ok, on va pas. Thuram, José. C'est un bon débat. Marcus Thuram. Mais les gars, Thuram, il est hors chapeau. Non. Ça peut paraître sévère. On a vu le top buteur. C'est chapeau 5, c'est ranking 2023. 5. Attends, 2023, on a vu le top 50 des buteurs, il n'était pas dedans. Donc on parle des attaquants, il ne marque pas. Et puis il s'est fait rattraper par Pepe. Okay. 41 ans. C'est le ranking 5, c'est hors ranking, hors chapeau, appelez ça comme vous voulez. Nathan, ton chapeau, ton ranking. On va dire 3 mois, ça on s'est arrivé quand même. Donc 3 mois, tu choisis 3 ou 4 3. Dédi. T'es gentil. Ouais, 3 aussi, je pense qu'il peut jouer dans le Moi, pour moi, tu rames, c'est du 4. Ah, mais oui. Ouais, ah c'est sévère, ça donne une moyenne 3,75 donc ça le met dans le chapeau 4 les gars. Ah, chapeau. Ouais, ouais. Oui, j'accepte. Bon, on va essayer de s'habituer à ce mot ranking, mais vous comprenez. Hendrick du Real Madrid. Là, je l'ai mis vraiment parce que Real n'a pas de neuf de métier, mais sinon pour moi, je l'aurais pas mis là-dedans. Ouais. Ne croyez pas que je fais du favoritisme. Franchement, je le mets parce qu'il joue déjà, en sélection titulaire, même si c'est que 3-4 matchs. Et parce qu'au Real Madrid, qu'on le veuille ou non, c'est le seul attaquant de métier. Rosello est parti. Donc c'est pour ça. Ne m'en voulez pas, c'est pas du pro Real. Donc, il est madrilène, donc 4, sinon j'aurais mis 5. Je vois dans le chat. Voilà, on va dire chapeau 4. Je vois dans le chat que pour Young VSSN, Thuram, c'est chapeau 4. Pour Mi004, c'est chapeau 3. Et puis Trésor qui dit en vérité, avec vous, dès qu'on est pro, on devient chapeau 1. et Fanny qui met Bobby Charlton, Hendrick, c'est 4. Donc, Hendrick, moi je mettrais 5 hors chapeau, mais. Il a montré vraiment des choses intéressantes dans la finition. Vraiment, il a des vrais de pur attaquant. Ouais, vraiment pour ça. Et je le mets hors chapeau juste parce qu'il est encore jeune, il n'a pas encore de référence. Ouais, ça viendra. Chapeau 4, ok, Dédi 4. 4, ok, moi je le mets 4 parce que bon, voilà, parce qu'il est jeune et parce que voilà, mais pour moi, donc ça donne 4, ça reste chapeau 4. Je suis curieux de savoir si on aura un chapeau. Hors chapeau, ce serait quand même chaud. C'est-à-dire qu'on aurait quand même une grosse unanimité. Enfin bref, Lewandowski, est-ce qu'on va épiloguer? C'est du 1 quand même, les gars. Encore, on avait passé une mauvaise saison. Il termine sincèrement, cette année, 4 buts en 4 matchs. Il est revenu. Le foot est tellement nul aujourd'hui que pour moi, c'est le meilleur attaquant actuel. Pour moi, c'est pas triste à dire. Hein. C'est 2. Ah, moi, je prends Harry Kane. Ouais. Mais Lewandowski, 2 parce qu'on voit que je commence à faire son effet. Okay, même 2. S'il revient bien dans le coup. Bah, moi, moi, c'est 1. Tous les jours. Bon, allez, influencé par Nathan et ouais, je mets 2 aussi, désolé. Bon, ça donne 2 pour Lewandowski. Il est encore fit, il est intelligent, bon placement, il marque. Mais c'est fou, hein, la remarque de Trésor dans le chat, c'est vrai que en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que des chapeaux 1, il n'y en a quasiment plus à l'heure actuelle. Et c'est vrai, et c'est ce qu'on veut. Ça, c'est vrai. C'est ça le but de cet exercice, c'est pour démontrer en fait qu'on verra poste par poste en fait, les denrées rares. On pourrait faire une édition 2005-2006 et voir le nombre de chapeaux. Et ben franchement, à c'est une terrible idée. Ça être intéressant. C'est une terrible idée de reprendre une liste de, en fonction des genre de, entre. Deux, d'une certaine époque. Sur 2-3 ouais. saisons, donc de 2004 à 2007, on va, et voir un on peu. Va, on mais va là, c'est sûr que tu peux être sûr qu'entre David Villa, à Thierry Henry, le chapeau 1, ça part dans tous les sens. Parce que même les chapeaux 2 ou chapeaux Hernan Crespo, aujourd'hui, c'est tous les jours 1. Tu vois, alors qu'avant, c'était. Je sais pas, puisque quand je vois comment on critique un Alan dans le jeu, pourquoi un Hernan Crespo serait chapeau 1 ? La question pourquoi se pose. Il est là, beaucoup plus technique. Non, mais parce qu'à l'époque, les gens ne devaient pas jouer. Non, mais il faut dire aussi, c'est vrai, il a raison. Vous avez déjà vu jouer Hernan Crespo quand il était à la Lazio. Mais c'est vrai que moi, j'étais un peu plus jeune. Je suis sûr que ça dénote. Non, je dis juste, vous avez déjà vu la qualité de ses contrôles de balle, de sa finition. Ah oui, respect. Les gars. Ouais. Je dis pas qu'il est chapeau 1, mais je peux vous dire que c'est pas Haaland. Hein. Et si Crespo il est dans cette génération là. Ok les gars, bon, on reviendra, mais c'est une bonne idée. Hein. Dites-nous si vous êtes intéressés dans le chat ce genre de ranking sur les anciennes générations, ça pourrait être pas mal aussi. 8e joueur, Harry Kane. 1. On va pas épiloguer. 2. Okay. Oh, mais arrêtez-vous. Non. Mais là, les gars, désolé. Oh mais là là. Mais vous avez dit qu'on peut s'expliquer. Ça, c'est juste du meeting anglais. Non, je peux m'exprimer. Allez. Je peux m'expliquer. Vas-y. Non, juste en parallèle, que le chat donne déjà le chapeau, puisqu'on aura à nouveau 2-2 et 2-1. Donc, il faudra que le chat donne. Le gars, il vient une saison à 40 goals, 15 assists. De base. Mais même en dehors des stats. De base, j'y ai pas cru. Puis j'y ai cru. Puis je l'ai vu en compétition internationale.
Et manifestement, mais les gars, je dois dire que c'est deux parce qu'il n'a pas réussi. Juste pour l'argument compétition internationale. Mais Benzema aussi en compétition internationale, voilà, pas grand chose. Déjà de 1. Attendez, dans les deux sens, quand un joueur preste trop là-bas, okay, mais pas en club, pour moi c'est faux. Genre les Milan Baros, tout ça qui ont presté, c'est faux. Close, 15 buts en Coupe du Monde, mais catastrophe. Enfin, c'est pas un grand joueur. Et dans le sens inverse, quand un joueur preste en club, mais ne preste. Moi en fait, j'aurais plus de mal avec un joueur qui preste que en compétition internationale. Et pour un club, c'est l'inverse. Je te remercie pour ce que tu viens de dire par rapport à Karim Benzema. Parce qu'encore une fois, quand tu mets les élites, c'est que non seulement tu es un attaquant du top, mais c'est que tes prestations doivent t'amener à gagner des titres. Ouais. Il a mis 40 buts, le mec n'a jamais gagné un championnat. C'est je suis désolé, tu peux jamais mettre un joueur de ce... Bon, tu après, peux jamais le mettre élite. C'est comme si tu mets 40 buts, tu prends Ligue des Champions, ou alors tu prends un autre titre et puis tu gagnes le Ballon d'Or, je me tais. La compétition qu'il a fait à l'Euro, pas au niveau. Au Bayern, il met ses buts. Il fait une très bonne saison, il n'a pas de titre. Je ne peux pas mettre ce genre d'attaquant. Okay. Votre ranking 1, tu ne peux pas. En plus, les compétitions internationales, il n'a même pas d'excuses pour les compétitions internationales parce que son coach ne joue pas. Enfin, il ne joue pas au foot. Il joue le contre. Donc, à un moment donné, en plus, Kane, qui est un pivot, qui joue très bien dans la création de jeu, il n'a aucune excuse. Oui, mais aucune excuse. Deux choses pour déjà l'argument compétition internationale. Je trouve ça un peu injuste parce que c'est pas comme s'il était passé à côté des autres compétitions internationales. Ça arrive à tous de passer à côté d'une compétition. Pour Lautaro, c'était deux. Il a été bon en Coupe du Monde 2022. Ils sont éliminés à cause de qui ? Pas à cause de lui en tout cas. Ah, c'est pas lui qui rate la pénalty. Parce qu'il rate la pénalty. Mais sinon, attention, parce qu'il y a des joueurs qui vont bientôt être cités. Et vraiment, je t'attends vraiment au tournoi par rapport à ça. Donc, attention, ok. Mais juste pour Kane. Et par après, il gagne pas titre. Il gagne pas titre. Il a joué toute sa carrière où ? À Tottenham, s'il te plaît. Il va au Bayern. Il met 40 buts. Il a pas titre. Ok, bah, j'espère. Qu'est-ce que je peux faire ? Bah, j'espère que si cette saison. Taylor et Fadi, prenez ce moment. C'est incroyable. Vous êtes bien fou. 40 buts ? Non, pas titre. Ok. Mais j'espère que si c'est bon, j'arrête. Mais tu sais, mais c'est un peu le même argument que j'avais. Il a dit, il arrête. Quand on annonçait Kane à Manchester City et que les gens disaient, ouais, bah voilà, au moins il va prendre une petite batte. J'attends que cette saison, Kane, j'espère qu'il va faire une petite saison à 10 goals, qu'il va prendre son trophée. Et comme ça, maintenant, tu vas dire élite parce qu'il a gagné un trophée. Et si parce que les gens qui voient toutes les choses par le prisme trophée, c'est quelque chose qui m'énerve. Ça n'a aucun sens. Mais justement, aucun sens, surtout quand t'es bon. En fait. C'est ça que je suis en train de te dire. Attendez, c'est que quand on parle de élite, ça veut dire que. Non seulement tu as les qualités exceptionnelles d'attaquant qui t'amènent des titres. Je ne suis pas d'accord. La qualité élite, c'est des étoiles. Il n'y a pas tout le monde. C'est pour ça que moi, on parle d'élite, c'est qu'il n'y a pas tout le monde. C'est que tu peux mettre, si tu mets 60 buts et tu ne gagnes pas de titre, tu peux pas être. Tu te rappelles d'un moment où tu t'es dit. Non, vas-y, t'as pas encore dit. Rapidement, tu te fais en 20 millions. Vraiment, tu t'es dit. Waouh, purée, il a porté l'équipe et il a il sauvé l'équipe. Mais les gars, toutes ces années. Mais le problème, c'est. Est-ce que vous avez regardé la première ligue ou mais pas il est au Bayern. Il est parti au Bayern. Non, mais et il perd. Mais si, mais il faut le faire. Vous me régalez parce que je suis là pour ça. Si Tottenham a été légitime pendant. Pas titre, élite. Ok. Si Tottenham a été légitime pendant autant d'années, c'est peut-être parce que Kane était là. Vous voyez ce que je veux dire. Tu sais que Alan Shearer avec Blackburn a été champion. Mais tu portes le maillot d'un grand joueur. Thierry Henry qui est dans les très grandes compétitions avec Arsenal en Ligue des Champions, on a souvent vu qu'il s'est fait pipi dans sa culotte. Donc il faut un peu arrêter, s'il vous plaît. Il était où en finale en 2006? Ok, c'est mais pas on grave. Cette année, on a un blues face à un Red, du coup, donc bon, c'est pas grave. On va laisser ce débat. Non, mais c'est très bien, c'est animé, c'est aussi pour ça qu'on est là, donc tant mieux. Mais si vous voyez bien, les gars, on a déjà presque utilisé la moitié. On est qu'au 9e joueur, donc on va un peu accélérer. Osimhen, les gars. Nathan, rapidement. Deux. Sans argumentation. Deux, ok. Je sais qu'Ilias dans le chat et tous nos amis nigérians, ils vont péter un câble. Dédi, José. Deux. Ok, on est tous d'accord. On va pas épiloguer. Osimhen, c'est du 2. Je trouve que c'est raisonnable et c'est très bien comme ça. Julian Alvarez, du coup. 3. C'est qui, lui hors chapeau. Non, ça. 3. 3. Ouais. 3 plus 5. Ok, 3. 3 ouais. Dédi. Ouais, 3. 3. Ouais, on est tous 3. D'accord. Très bien, on avance. Mais c'est bien, vous voyez, de temps en temps aussi, on s'est d'accord. C'est bien. Dans le chat, on dit Crespo a plus de jeu qu'un Land. Les gars, s'il vous plaît, Kane, c'est 2. Henry en finale, c'est 0. Misero qui est d'accord. Ouais. Osimhen, chapeau 5 pour Aydin. Oh là là. Et bah, toi, Aydin, tu vas te fâcher avec Ilias. Ilias qui dit. Un fort pour Osimhen. Non, mais il y a 5 gueules. Ouais, tellement qu'il était libre et personne n'a voulu lui. À part, avec tout le respect que j'ai pour la Turquie, à part Galatasaray. Isaac de Newcastle.
qui va peut-être probablement partir. C'est 3 pour moi. C'est un 3, mais j'ai envie de dire 2 parce que c'est vraiment un profil assez atypique, une licorne comme on aime un peu. C'est du 4 de foot. Non, c'est pas du 4. Moi, Isaac, j'ai jamais été fan, mais ça reste 3 de toute façon. Et je trouve que justement, l'APL permet à beaucoup de joueurs de se sublimer et de faire croire qu'ils sont il était fort à la Real Sociedad. Il était très fort à la Real Sociedad. Aussi avec les auditeurs. Ce qui est intéressant, c'est que sub-top, hein. Déjà pour revenir sur le sondage sur Harry Kane, 71% disent chapeau 1. Et ensuite, Misero qui dit Osimhen a fait gagner un titre, pourquoi on ne met pas chapeau 1? Je comprends plus les arguments. Et Ilias qui rajoute 2, il a ramené un titre à Naples. Kane a fait quoi? Comment vous défendez? Ouais, bon, c'est vrai que Ilias, fan d'Arsenal, tu vas comparer la PL au championnat d'Italie. S'il te plaît, Ilias. Il est parti en Allemagne, 40 buts. Je sais que t'aimes pas Tottenham, mais il faut un peu de logique. Ce sont des faits. 40 buts, 0 titre. Bon, allez, c'était juste pour un peu plus. Attendez, non, juste une question. Il a mis 0 titre. Il a pas pris une Coupe d'Allemagne ou un truc qui passait comme ça? Ok, mais il prendra tous ces titres-là et puis tu feras le débat. T'inquiète pas, bon, ok, Isaac, c'est déjà pause 3. Je savais que je vais pas vous chauffer là-dessus. Mais continuez à mettre vos commentaires, comme vous voyez, on essaie de le faire avec vous, donc c'est cool, les gars. Darwin Núñez. 3. Non, 3. 4. Moi, je vais être d'accord avec José, désolé. Dédi 3, moi 4, ça fait 2, 3 et 2, 4. On le met quoi, les gars, Darwin Núñez? Pour les gars qui suivent, Trésor dit chapeau 3, il est pagailleux. Moi, je suis entièrement d'accord, mais s'il est pagailleux, mais le 4. Liverpool, c'est tout. Il est trop brouillon. Bon, en attendant la sentence du chat, alors. Mais pour moi. Pour moi, c'est vraiment le joueur. Il a disparu. C'est la bagarre, tu vois. Franchement, moi aussi. Quand je le vois, je change de chapeau. Christian, il en est fan, il nous avait dit que vous verrez, il sera chapeau 1 ou chapeau 2. Cavani, très très pauvre. Moi, je trouve que c'est trop. Aydin qui nous dit Núñez, c'est hors chapeau, hors cadre. Pour tous les jours. Il a même pas dit hors banquier, il a dit hors cadre. Donc, ouais, c'est 4. Bon, les gars, le chat a dit, c'est 4. On va pas. Hors chapeau, ça fait l'unanimité. Ojlund. Moi, les gars, ce mec-là, je sais pas. 70 millions pour ce mec-là. Je comprends toujours pas. On est tous d'accord? Hors chapeau. Je sais pas s'il faut United. Franchement, quand il est jeune, donc faut attendre. Ouais, il est jeune, faut attendre. Bah, tant mieux. Bah, moi, c'est 5 aussi. C'est un bon contre-pressé. Pas du tout. Ça a beaucoup d'activité, mais après. Franchement, c'est. Ouais, il est à United, franchement. Ouais, bon, ça reste 4 parce qu'il y en a deux qui ont mis 4. Donc, ok. Gabriel Jesus. Lui, c'est un cas intéressant parce qu'il y a quelques années, j'aurais mis 2 plus, voire 1. Ce je trouve, même s'il marquait. Il me faisait penser un peu à Benzema. C'est pas le mec qui va te mettre. Bon, même si Benzema marquait beaucoup plus, mais c'est pas le mec qui va terminer meilleur buteur. Mais dans le jeu, il est complet. Stats, ouais, c'est parce qu'il se blesse beaucoup. Parce que quand tu regardes ses stats, le ratio est toujours intéressant. Il fait partie des joueurs que Pep a vraiment saboté. Mais quand tu regardes le nombre de buts par match ou par minute. Et que tu compares à d'autres, tu vois qu'il est très fort. Moi, je mets 2. Je reviens juste sur. Je crois qu'il y a beaucoup de hors-chapeau pour Ojlund. Donc, ouais, ça fera pas 4, ça fera 5. Désolé, les gars. ouais, donc, Nathan, ton chapeau pour Jesus? 2. Parce que j'aime vraiment beaucoup le joueur. Je le trouve vraiment très fort. J'aime le joueur, mais 2, c'est trop pour lui. Ouais, je le mettrais plutôt 3. Ouais, moi aussi, 3. Dédi 2. 2 quand même. Ok, donc t'en as. Ouais, donc ça fait. Allez regarder ses buts par minute et comparer aux grands. Désolé les gars, mais moi je regarde par rapport au chat. Ça met Gabriel Jesus en 3. Donc on respecte toujours, on est en démocratie, on va mettre Gabriel Jesus en 3. Vlahovic. 3. Ça reste un vrai buteur. Hein. C'est un vrai buteur. Moi, je le mets 4. Non, mais en fait, le problème à l'heure actuelle aussi, c'est que dès qu'un joueur fait une bonne saison, qui signe dans un gros club, directement, on a l'impression qu'on doit aussi le monter de chapeau. Non, okay, il n'a pas confirmé. Pour moi, c'est 4. Hein. Ah, il n'est pas mauvais à la Juventus. Hein. Il s'est blessé. 4, c'est sévère. Mais après, il n'est pas mauvais. Il score. Hein, quand il est où maintenant? Ah, il score. C'est un joueur intelligent. 3. Tu l'as? Non, je lui mets 2. Ah, quand même. Moi, je le mets 3. Moi, je trouve que c'est un vrai finisseur. Moyenne, c'est 3. Je pense que ça, c'est assez raisonnable. C'est un bon chapeau. Watkins, Nathan d'abord. 3. Christian, il faut pas s'enflammer après sa grosse saison l'année passée. Okay, pour moi, c'est 3, 4. Mais c'est un vrai bon attaquant. 4, mais ça ne change rien. Ça reste en 3. Très bien. Qui a dit 4? Moi. Oh là 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 là. Écoute, c'est pas parce qu'il a fait une saison qu'on va s'enflammer. Bon, hein. Après, il faut confirmer. Ouais, 4, je vois des 3. Vlahovic, Aydin qui dit 3. Kylian Martorana qui dit 3 fort. Ça va, on est aligné puisqu'on l'a mis 3. Donc ça va. Tant mieux, les gars. Openda. Moi, je vais commencer. J'ai hésité à le mettre hors ranking, hein, mais je vais mettre 4. Il reste sur 2 bonnes saisons, que ce soit à Lens ou chez les Allemands. Oui. Il a fait Lens. Parce qu'on voit Eli Wahi, ce qu'il est en train de faire. Dans un registre. Pourtant, n'oublions pas une chose, je me rappelle que Eli Wahi était beaucoup plus coté qu'Openda. Et quand on voit la carrière des deux à l'heure actuelle,
On peut ne pas aimer Openda, il faut quand même respecter ce qu'il fait. Non, moi, gars, il aligne, il continue. Ouais, ok, donc donnez vos chapeaux, parce que vous me dites respecter chapeau 3. Non, mais toi, tu dis que tu as réfléchi de mettre hors chapeau. Bah sur ouais, de quoi moi, un gars qui score en Ligue 1, qui score en Bundesliga, au bout d'un moment, je trouve vraiment fatigué, désolé. Oui, mais là, moi, j'aimerais savoir, tu le trouves fatigué dans quoi? Sur base de quoi? Les gars, non mais il y a pas les gars. C'est un mec qui va, c'est un mec qui va dans la profondeur, mais dès que tu donnes un ballon, il est perdu. Le gars, et on dirait qu'il a, le ballon, il a mis les buts qu'il a mis, les buts qu'il a mis contre City l'année passée. Mais oui, le sang froid. Toujours City joue très haut, il va dans la profondeur. Moi, je l'ai vu deux. Moi, l'année passée, je me suis dit, je vais le voir face au Real. Ok, je vais me dire, le Real, c'est vrai qu'il y a Rudiger. Je me suis dit, c'est un peu, je me suis dit, juste, je demandais pas les buts, juste voir un peu comment il se débrouille. C'était catastrophe. T'avais l'impression que c'était le mec, en fait. Tu vois, quand tu te dis, tu joues un match de coupe face à une D4, tu dis, ouais, on va voir un peu comment il se débrouille. Bah, c'était ça. Le garçon avait le niveau de la D4. Et qu'est-ce que tu penses de sa finition? Parce que si dans le jeu, tu le trouves nul, tu peux pas trouver Haaland bon dans le jeu. Non, il faut le faire quand même, sa finition. La finition. Tu mets pas autant de goals. Mais moi, tu l'as, t'as comparé. Non, c'est 4, c'est 4 tous les jeux. Mais après, voilà, il y a 2, 3, il y a 2, 4. Franchement, il s'appellerait pas. Enfin, il serait pas belge, tu n'aurais pas cet avis-là, je pense. Non, parce que on va venir sur Kolo Muani, je te dirais. Ouais, mais Kolo Muani, c'est bon, c'est Kolo Muani est supérieur à Openda. Hein. Ouh, bah oui. Mais de toute façon, je pense, moi, j'attends. Lui, il est 3, Romelu, il est quoi? Mais de toute façon, on a 2, 4 et 2, 3. Donc, on verra ce que dans le chat ils vont dire. Donc, on verra soit on le met 3, soit 4. Pour le moment, je vois non, Openda est et intéressant. Continuez à mettre des commentaires sur Openda, parce que tant que je vois pas plus qu'un commentaire, moi, je laisse 4. Moi, c'est sa finition qui m'a quand même impressionné. Autant c'est pas mauvais techniquement. Il est quand même parfois, même si en Belgique, on le voit pas trop. Et d'ailleurs, tu parlais de son assist face au match face à Israël, moi je pense pas qu'il est inintentionnel, hein. Je pense qu'il veut le faire. Hein. Les gars, il nous reste 5 minutes, il nous reste encore une. Ouais, on est à la moitié. Lukaku, les gars. 4. 4 ou 2 moins ou 3? Non, allez, 3. 2 moins, t'exagères. 2 ou 3, il est juste en dessous du Mondial. 2 moins pour moi. Tu mets dans Lukaku dans le même chapeau qu'Alande. Ouais, franchement, ça me saoule. Non, choisis 2 ou 3, mouille-toi. C'est abusé. Mbappé, Haaland avec Lukaku. Laissez-moi, je réfléchis encore un peu. Ok, Dédi. Ça va pas. J'ai mis 3. Ok, 3. Moi, je mets 3. Ouais, je le mets 2. On parle quand même d'un gars qui joue 2 saisons dans 3. Je le mets 2. Je le mets 2. Oh là 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 là. Mais c'est un 2 moins. Mais il faut le mettre. Non, mais c'est bien comme ça. Les spectateurs voient qu'il est. Non, mais ils voient très bien. Bah, là, on a donc 4, 2, 3, 3. Ça fait chapeau 3. Il marque partout où il joue. Donc, qu'on le veuille ou non. Je vois Len va avoir le but d'Openda contre le PSG quand il joue à Lens. Il met deux fois mon prénom. Merci Ilias. Mais ouais, donc Lukaku 4, le chat dit. Mais de toute façon, c'est chapeau 3. Il y a pas de. Désolé, là, on prend pas votre avis en compte. Gonçalo Ramos, les gars, du PSG. C'est moi, je trouve ça, lui, ça, pour moi, il a un profil terrible buteur. J'aime, mais je peux pas mettre 2, donc je vais mettre 3. Ouais, 3. Moi, je mets 4 parce que ça fait partie de encore une fois, de cette hype. Hein. Il signe au PSG avec une réputation, mais on voit pas la suite. C'est vrai que c'est blessé ou quoi. Non, moi, je trouve, on a vu la suite quand il a joué. Il a presté, il a mis ses buts dans les matchs. Mais vous savez, moi, je faisais la remarque. En dehors de Chapeau, Nathan, pardon. 3. Mais en dehors de Radamel Falcao, tous les attaquants sortis de Porto, des menteurs. Porto ou Jackson Benfica, Martinez, franchement, tout ça, c'est menteurs, compliqué. Ça hein. Et chaque fois, ils les vendent à 70, 80, c'est fort. Hein. C'est pour ça que moi, il n'a pas la Costa, continuité. Là, de Porto, il est fort. Je peux pas le mettre encore. Mais de toute façon, ça nous donne un chapeau de 3. Donc ça va. Jonathan David, on va accélérer un peu. Jonathan David, les gars. 3. 3. Tout le monde 3. Ok, bah, chapeau 3. On va pas traîner là-dessus. Kolo Muani. 4. 4. Non, c'est vraiment un footer. 3, parce que. Non, allez, 3. Non, franchement, 4, 4, ce qu'il a fait à Nantes, ah, vous êtes gentil, Francfort, les gars. Pour ouais, l'équipe de France. Francfort, non, mais les gars, mais Francfort, fois, les gars, mais non, les gars, on est de la Bundesliga, les gars. Mais regardez ce qu'il fait aussi en équipe de France. Que le moyen est nul. Regardez ce qu'il fait aussi en équipe de France, qu'on l'aime ou pas. En équipe de France, il fait quoi? Il fait quoi? Il joue avec Timberland là-bas. Non, mais parce que tout le monde parle de Mbappé en 2022. Il joue avec Timberland. Mais à quel moment le match a basculé? C'est quand Kolo Muani est rentré. Face à la Belgique. Et face à l'Argentine. Face à l'Argentine. C'est encore lui. Face à la Belgique, c'est qui met encore l'impulse? Qu'on le veuille ou non, on peut ne pas aimer son style. On peut pas le mettre au niveau d'autres joueurs qui, pour moi, ont moins de références que lui. Ah, ok, bah donnez vos chapeaux, c'est 3. Pour moi, c'est 3. Nathan, c'est 3 aussi. 4. Ouais, c'est 3. C'est 3. Dédié 4. Hein, pour faire ce qu'il a fait à Francfort, quand même. Bon, les gars, là, on est entre les deux. 3 ou 4. Désolé, c'est moi qui tranche. Je mets 4. Je veux pas que le moyen en 3. Zirkzee. 3. 4. 4. Il a prouvé quoi pour il a rien prouvé. Bah, Bologne, il joue mieux au foot mais... que Kolo Muani pour moi. Non, c'est vrai, c'est ouais, un joueur de foot. Mais, mais on parle moi, je le mets 3 parce que j'ai aimé ce qu'il a fait à Bologne et c'est un meilleur joueur de foot donc je récompense. Mais tu 4 peux. Non, mais c'est... Moi, je mets 4. Mais... Ok, 4. Et Nathan 4. Je trouve ça encore trop faible. Bah, du coup, à nouveau, c'est entre le 3 et le 4. Ça donne une moyenne 3,5. Donc on fait quoi? On met 4. On met 4. Ok, bah tant mieux. Tant mieux. Tony. Comment?
Tonnet, Tonnet. Je sais pas comment. Comment on présente Tonnet. Non, tu as dit comment Tony, Tonnet. Tonnet, Tonnet. Ok, vous mettez quoi? Moi, perso, je le connais pas. Je vous suis. Je mets 3. Quoi, ce garçon? Moi, je me fie à Nathan. Moi, je mets 4. 4? Ouais, Brentford ou je sais pas quoi, là, rien. C'est des choses que Nathan, t'as mis quoi, toi? 3. 3, ok. Mais après, c'est vraiment un bon attaquant. Bah, je vais suivre. Bon, je vais mettre 4. Moi, je suis Nathan. Moi, je suis Nathan. Moi, je mets 4. APL, je vais pas donner de points. Bon, ça... Donc, ça donne chapeau 3. Allez, on va laisser trop chapeau 3. Oui? Ah, ok, ça va, merci. Bon, bah, on me dit qu'il reste 10 minutes, donc on a le temps. Il nous reste exactement 11, non? On a le temps de. On est à l'aise. Et aussi participer dans le chat, les gars, continuez à mettre vos. Je vois donc, désolé, j'ai pas prêté attention parce qu'il nous restait un peu de temps. Colomwani, chapeau 5. Ouais, ben, franchement, je suis d'accord avec toi, Kylian. Moi, j'ai voulu le mettre, mais je voulais pas me faire insulter. Respectons donc, le CV du gars quand même, s'il vous plaît. Mais de toute façon, il est chapeau 4 parce qu'au final, c'est hors, même si on. C'est bien aussi. Mais je suis d'accord, moi, pour moi, c'est hors chapeau. Trésor qui dit chapeau 2, Lukaku, mais que quand il est pas en surpoids. Ilias qui dit hors chapeau pour Tonnet. Ça m'étonne ça de toi, Ilias, par contre. Et Trésor qui dit Randall, c'est chapeau 3. Non, mais Ilias, quand ça vient pas d'Arsenal en première ligue, franchement, c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est un grand tactique. Voilà, Ilias, tu peux réagir, hein, je pense que. Salut, Ilias. Mais bon, Kaya Vertz, les gars, c'est quel chapeau? Chapeau 3, hein. 3 chapeau 2. Ouais. Ah, ben, je trouve, il a une vraie évolution dans son jeu. Il a progressé. Et pourtant, j'aimais pas beaucoup. Et moi, je vais le mettre chapeau 2 parce que je trouve pour quelqu'un qui n'était pas attaquant de base, tu vois que le gars, il a un QI football qui lui permet. Et donc, moi, j'aime bien. C'est un bon joueur. Je le mets chapeau 2, même si je sais que j'upgrade un peu par rapport à ce que je pense vraiment. Mais c'est parce que je trouve intéressant dans ses déplacements, dans son jeu de tête. Il essaye vraiment d'être complet. Et j'aime bien. J'espère que Charles de Ketela va s'en inspirer. Okay. Exactement. Donc, ça te décoche chapeau 3 alors. Pour moi. Dédi 3. Ok, bah ça donne du coup, on va le laisser dans le chapeau 3, hein, même si on aurait pu mettre 2, mais chapeau 3. 3 bah, je vois, ouais, bah, de toute façon, dans le chat, ils sont unanimes. Avert, Heidi nous dit 3, Kylian nous dit Kai, c'est 3. Ilias a dit 1, c'est Trésor, ça. Trésor, t'es en retard sur ta connexion, puisque Zirzé, on a passé depuis un petit temps. Tu dis chapeau 4, pareil. En bon bruxellois. Avert, c'est 3, ouais, bon voilà, on a mis chapeau 3, donc tant mieux. Là, je sais que ça. Dovbik. Je rappelle qu'il a terminé Pichichi. Hors chapeau direct. Non, mais j'aurais aimé voir. Ouais, si il a même pas vu les si matchs. Mais les gars, attendez. Tu sais, il me fait penser à qui? Il me fait penser un peu à l'époque de 2008 où t'avais des Daniel Guiza en Liga qui finissait meilleur buteur. Alors là, même chose. Franchement, ça, c'est la caricature. Non, mais les gars, attendez. Il fait une bonne saison. Un bon joueur de foot. Il fait une bonne saison. Mais on peut pas le mettre. Attends, tu peux pas le mettre dans les chapeaux. Il a fait qu'une bonne saison. Mais est-ce que si t'as. Mais ok, mais moi, je voulais. Moi, c'est pour ça que je voulais un peu de cohérence ici. J'ai bien. C'est pour ça que c'était important pour moi. Ivan Tonnet, on le met chapeau 3. Watkins, chapeau 3. Mais pour vous, Dovbik, vous le mettez chapeau 4. Parce que c'est la Liga. Or qu'il termine Pichichi, il met plus attendez, de 20. Vous avez vu quand même ce que le petit attaquant d'Aston Villa, il a fait quand même à l'Euro. Il est rentré, il a mis ses buts. Ses buts, les gars, il a pas terminé non plus en buteur de l'Euro. Il est bon. Si on a ce rythme-là, alors on parle aussi de. Il doit juste confirmer. Arda Güler, quoi. Alors, il doit juste confirmer. Mais le Dovbik, moi, je suis. Bon, voilà. Non, franchement, moi, mais c'est ça qui est intéressant, le manque de cohérence des gens de la PL. Vous mettez Watkins, c'est trucs 3. C'est toujours le manque de cohérence des gens. Watkins, c'est Tonnet 3. Mais est-ce que j'ai même donné d'abord mon chapeau? T'as dit Dovbik 4. Non. Pour Tony, il a pas dit 3. T'as dit Daniel Guiza. Moi, j'ai dit, ça me fait penser à Daniel Guiza parce que je pense que ça sera une One Season Wonder comme on dit. Et donc, tu mets 4. Mais après. Tu te mouilles 4. Ouais, je mets 4. Ok, José. Hors chapeau même. 5. Dédi. Non, 3, et je pense qu'il a le potentiel pour être 2 même un jour. Non, moi je vais être honnête, j'ai discuté parce que je voulais un peu les tacler, mais moi pour moi, objectivement, c'est du 4 parce que j'ai vu ses matchs et que pour moi, il fera pas grand chose. Donc c'est du 4, et j'aurais voulu le mettre même peut-être hors chapeau. Mais. Je vois ici c'est sûr que t'as vu Trésor qui dit Nathan, il distribue les chapeaux gratos. Ilias qui dit voilà, Nathan, il veut tout le monde, un vrai fan Chelsea, après tu as un effectif 56 joueurs. Donc voilà, on va pas rester. Nicolas Jackson, moi c'est hors chapeau. C'est hors chapeau, ça peut moi, jamais. C'est 5. Franchement, si tu dis Nicolas Jackson et hors chapeau, vraiment, c'est que tu regardes pas le foot. Pourquoi tu le mets dans la liste? Non, mais on parle d'avant-centre. Il y a quelqu'un qui sait pas cadrer une frappe. Mais il sait même pas. Mais les gars, attendez, comment ça il sait pas cadrer une frappe? Comment ça il sait? Il est mauvais. Juste pour te dire, Nicolas Jackson,
quand il était à Villarreal, c'était l'attaquant en Europe qui avait le plus. Mais ça, je l'ai vu. C'était là. Ah oui, non, mais voilà. Mais donc, c'est pas normal ce que tu es en train de dire. C'était l'attaquant en Europe qui avait le plus overperformé ses expected goals. Donc, au niveau de. Il ne sait pas. Non, mais donc, mais ok, il a été en sur-régime à Villarreal. Aujourd'hui, à Chelsea, il retrouve un niveau qui est normal. Non, non, non. Il est non, non, mais non, non, mais non, mais là, il est dans le chat. Juste pour vous dire combien de goals Nicolas Jackson a mis à Chelsea sans tirer les pénalties. Il a une vingtaine de goals la saison passée. Une vingtaine de goals. Donc, c'est pour ça, en fait, je trouve que les gens ont. Oui, mais Cole Palmer, c'est un talent élite. Mais pour ça, moi, je trouve que les gens ont vraiment une opinion biaisée de lui. Parce qu'on voit, voilà, parfois des vidéos qui tournent. Mais si tu voyais ses matchs, au contraire, tu aimerais beaucoup le joueur. C'est un très bon liant dans une attaque. Vraiment, dans le jeu. Il est vraiment très, très bon. Mais en termes d'avancement, il a mis plus de 20 goals la saison passée. Vous voulez attendre la première ligue ? Non, toute compétition confondue. Il a 13 goals l'année passée, je pense, en première ligue. Et là, tu mets hors chapeau. Jonathan David, hors. Il est 3. On parle d'attaquant. Ouais, ouais, Jonathan David, ça fait 4 saisons qu'il est à Lille, il claque ses 15-20 buts, mais ses 10 assists. Mais il a gagné un titre avec Lille, s'il vous plaît, dans le championnat du Grand PSG. Il y en a. Et Nicolas Jackson, il fait quoi? Le type, il fait des contrôles du tibia. En tout cas, si vous regardez les gars à l'écran dans le chat, c'est Ilias qui me dit donc on débat sur Jackson, en fait, Trésor qui dit Jackson, chapeau 1, les gars, ici, en rigolant, j'imagine que c'est bon. Je vous comprends. Ilias, mais non, mais attends, tu es attaquant, il faut quand même marquer des buts et gagner des titres. Mais on te parle un petit David qui met des buts dans le championnat. Coefficient 2. Il met des buts dans une équipe qui est, on va dire, moi, il a ses titres. Et on dit, ouais, mais non, ça va pas répondre à ça. Oui, tu vas répondre à ton chapeau, Nathan, d'abord. Non, c'est un chapeau 3, clairement. Mais parler de contrôle du tibia, alors. Moi, je le mets 3. Okay. Je trouve que vous prenez pas la big picture. Chelsea n'est pas en forme. Il y a Cole Palmer alors. Et donc en plus il joue devant dans un rôle qui n'est même pas qui n'est même pas le sien en plus. C'est ça le truc. Arrêtez de déconner les gars. Ok les gars. On va commencer à trouver des excuses à tout le monde. Ouais, mais tu sais Mbappé si ça va pas c'est parce qu'il est neuf. Non. Faisant la moyenne les gars. On voit ce qu'il fait. Le tableau me donne chapeau 4. On a chapeau 3 pour Nathan. Chapeau 5 pour José. Donc Romelu aujourd'hui. Donc attendez. Pour José. Le Jackson est plus fort que Romelu. Ah mais. Quoi? Non, mais attends, mais c'est un meilleur joueur de foot que Romelu. Le Rat Bell Capsule, c'est un meilleur joueur de foot que Romelu. C'est un meilleur joueur de foot que Romelu. Et si tu dis le contraire, micro, s'il te plaît. Non, et si tu dis le contraire, c'est un meilleur joueur de foot que Romelu. Je regarde vraiment pas le football actuel. Non, mais alors c'est que toi tu regardes pas le football. C'est un meilleur joueur de foot de Romelu. Je te le dis. C'est un meilleur joueur de foot de Romelu. Dans le jeu, il sert beaucoup plus que Romelu. On dit que t'es pas l'Africain dans le jeu. Si tu veux, à la fin de la séance, je t'envoie une vidéo de toutes les actions de Jackson. Moi, je vais vous envoyer Nicolas Jackson. Et tu le verras. Je vais vous envoyer une vidéo de Lukaku sous Conte où il fait des contrôles incroyables. Oui, on va dire que c'est R9. Voilà. Il y a un moment, il faut arrêter les bêtises. Nicolas Jackson, meilleur joueur de foot que Lukaku. Ok, actuellement, on parle. Actuellement, oui. Je suis pas forcément désaccord. Il a mis combien de buts l'année passée, votre pote? Mais il a plus de 20 goals la saison passée. Et Chelsea a terminé où? Ok, et Romelu a fini où? Romelu fait quoi? Il a fini où? Romelu, il a fini où? Je vais vous dire, je me rappelle, il était à la Roma. Franchement, c'est abusé. Il avait pas fait de préparation. Voilà. Non, mais juste pour dire. Et qui vient la saison 15 buts? Il termine la saison à 15 buts. Votre Nicolas Jackson qui fait la préparation. Il a des automatismes avec ses potes. Il met 10 buts. Et encore, on parle de buts. Au niveau du jeu, le type est. Ok. Mais non, c'est vraiment un bon joueur de foot. Et s'il te plaît, ça c'est. Jackson, c'est un chapeau 4. On a perdu du temps sur un gars. C'est pas grave, on a encore un peu de temps. Richarlison, les gars. Richarlison, moi pour moi, c'est celui. Désolé, je vais être sévère, mais c'est hors chapeau. Il me dégoûte du Brésil. Il dégoûte de partout. Non, il joue plus. Il fait la honte au Brésil. Ouais, chapeau. Mais vous mettez pas hors chapeau, vous êtes gentil. Donc ça fait 4-4-4-5, ça fait du 4. On va mettre personne hors chapeau, les gars. Solanke. Je me fie à Nathan, j'ai pas suivi. Ça, c'est du 4. Romelu a 3 Jackson sur son pied gauche. Je dis. chapeau 4. Mais normalement, ça pourrait être joué, mais c'est un bon joueur. Solanke. Ouais, 4. Ok, Dédi. 4. Moi je mets 4 aussi par respect pour ce qu'il a fait. Prenons, je sais même. Non, il a signé à Tottenham. Tottenham. Guirassy, les gars. Tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Mais il s'est plaint de ne pas être dans les 30 ballons d'or. Il s'est plaint. Mais attends, chapeau. Il devait être dans les 30 ballons d'or. C'est lui qui l'a dit. C'est le football actuel. Donc des médiocres qui se plaignent de ne pas être dans les 30 meilleurs joueurs du monde. Nathan, ton chapeau. Chapeau 4, allez. Dédi. 4. Ben moi je suis d'accord, c'est non, mais on prend un peu trop pour acquis le fait de finir meilleur buteur d'un championnat. Voilà, exactement. Ouais, ce qu'il a oublié, c'est qu'il y a le classement des meilleurs joueurs et puis il y a celui des meilleurs buteurs. Il sera dans les meilleurs buteurs, on va pas, il y a aucun problème, il vient pas dans la liste des 30 meilleurs joueurs. Je vois Young VS qui dit, enfin on revient un peu sur Richarlison qui dit Richarlison chapeau 9 comme son numéro. Nathan qui dit, Trésor qui dit Nathan doit t'arrêter. Kylian qui dit hors chapeau, je crois que c'est pour Jackson. Trésor qui dit ça explique son chapeau 4. Et Kimlan, je pense, qui dit pour Jackson Solanke ou Jackson, c'est pas chapeau 5, mais en tout cas qui dit pour Guirassy chapeau 4. Trésor qui nous dit faut appeler la police. Bon, en final, Guirassy ça va chapeau.
chapeau 4, les gars. Il en reste 5, 6. Boniface, les gars. Moi, que je trouve un très bon joueur. Malheureusement, sa blessure, là, un 4. Peu. Mais oh, t'es sévère. Ouais, je vais chapeau mettre ton 4, hein, mais chapeau moi, 3. C'est chapeau 3. Bah, il est encore. Bon, il est jeune et il a fait véritablement qu'une seule saison. Donc, faut laisser le temps. Tu mets quoi, moi, je le mets 4 pour l'instant. 4 en... Ah, ok. Ouais. Bah, tout un argumentaire pour dire 4. Nathan. 3, moi, j'ai dit. Ouais. Ok, bah ça donne du coup, on a 2, 3 et 4, 4. Donc les gars, dans le chat, s'il vous plaît, aidez-nous à trancher. Boniface, Ilias, toi tu votes pas. Toi, tout ce qui est nigérian, tu vas me dire chapeau 1. Donc s'il c'est te ça. Plaît, donc donnez-nous vos chapeaux, enfin vos rankings pour Boniface. Et je le mettrai du coup, j'ai décidé du ranking final. Sorloth, les gars, hors chapeau. Hors chapeau. Même 4. S'il a fait une bonne saison pour moi, chapeau c'est... 4. Ouais, hors chapeau. Chapeau 4. Attends, vous êtes gentil. Hein. Mais il a fait une sale saison. Non, mais vous, ah, mais les gars, solide, les hors chapeau, ça veut dire que voilà. Bah, je le prends jamais, moi. C'est... Il oui, a pas mais de ça reste un, en fait, là, ça reste un, cas, un, ça reste là, un joueur de football c'est... correct. Ouais, mais là, oui, on parle chapeau. Des meilleurs buteurs et ouais, des attaquants des 35 meilleurs buteurs centraux. Moi, il fait pas partie. Enfin, c'est hors chapeau quand tu veux. Moi, je le classe. S'il est dans le top 30, c'est-à-dire que chapeau 4, pour moi, il fait partie des 100 meilleurs attaquants, mais pas top 50. S'il est chapeau 4, il est. Pas forcément dans les 30 meilleurs. Même non, c'est oui, bien sûr, mais c'est, oui, c'est vrai. Mais moi, pour moi, c'est un joueur correct, les gars. J'y pense même pas, même parmi les 50 premiers. Il a fait une bonne saison, premiers. Merci, bonsoir, c'est tout. Mais après, voilà, c'est pas grave. De toute façon, vous c'est mettez un, OK, c'est un très bon chapeau joueur. 4, vous êtes c'est gentil. Un joueur correct. José, chapeau 5, moi, chapeau 5. Bon, on va le laisser dans le 4. Hein, ah, parce le que... prochain, j'ai hâte de savoir. Attends, Bonnie, bah, c'est... Bah, tout le monde met 4 dans le chat. Donc mais on il va vaut le... 4. Ok, chapeau 4. Oui, et sur l'autre, je vois bah, 4, je vois du 5. Je vois Ilias qui dit Bonnie, c'est du 3. Mais ce sera 4, Ilias, désolé. Sur l'autre, ça reste 4. Fulkrug. Dis-nous un peu ton chapeau à toi. Fulkrug ouais. C'est 4. Parce que. Non, soit, parce que. Soit 4, 5. Non, bah, en 4, cas, 5, pour moi, ouais. Il est meilleur que Sorloth et Guirassy et tout. Ouais, donc ça, ouais. C'est du 4, quoi. Ouais. Il est meilleur que. Pourquoi il serait meilleur que Guirassy? Parce que moi, je l'ai vu avec Dortmund en Ligue Champions où il a presté, où il a fait de bons matchs. Mais tu le mets 4, c'est pas faux. Tu l'as vu prester et tu le mets 4. Non, parce que je pense qu'à un niveau. Ça reste malheureusement la P5 allemande. Ça reste la P5 allemande. Je l'ai vu en Ligue nationale. Il a presté en Ligue Champions. C'est vrai. J'ai vu en équipe nationale où il fait des choses. Mais non, c'est sa première saison à ce niveau-là. C'est un sub top, il est chapeau 3 bon, allez, tous les jours. Mais non, c'est sa première chapeau saison 3. À ce niveau-là. On verra ce qu'il va devenir par après. Chapeau 3, Nathan. Chapeau 3, ouais. Et bah franchement, ton argument c'est terrible. C'est vrai, j'étais sévère. Parce qu'en plus, il a bien confirmé la saison où il a fini meilleur buteur du championnat. Chapeau 4. Et encore, j'ai hésité. Moi, ça donnera chapeau 3. Il émerge tard. Il nous en reste 3, les gars. Il nous reste 5 minutes, donc tant mieux. Comme ça, après, on pourra voir qui fait partie de chaque ranking. Morata. Moi, je déteste ce mec-là, donc je vais mettre chapeau 4. Non, même s'il est meilleur, chapeau 3. Chapeau 4 pour moi. Hors chapeau. Oh, là, c'est subjectif. Mais c'est même le chapeau 4, je trouve ça très subjectif et sévère. Oui, oui, parce que vraiment, avec un peu plus de mental, ce type, c'est un chapeau 1 tous les jours. Non, avec un peu plus de mental, il sait tout faire. C'est l'attaquant. Mais pourtant, c'est en Liga qu'il a le plus réussi. Le gars, c'est vraiment tout faire. C'est du 2 au max. Il est grand. Il est bon de la tête, il est bon des pieds, il est assez rapide. Franchement, s'il avait la tête qui suivait, parce qu'on sait qu'il a eu beaucoup de problèmes mentaux, ça aurait pu être pas mal. Donc moi, je le mets chapeau 3, mais j'ai vraiment hésité avec le chapeau 2. En tout cas, Edine, il nous dit chapeau 3, Kimlan, KLNG, j'imagine que c'est toi, chapeau 2. Ilias, oh, Morata 2, Fadi nous dit 3 en régie. Encore KLNG, donc Kimlan qui nous dit c'est largement supérieur à Lukaku Prime. Oula, quand même. Bah ouais, il a raison. Attends, il a raison. Lukaku. Non, Morata largement supérieur à Lukaku Prime. Ici, il y a des gens qui sont fous. Donc attends, répète-moi ton chapeau pour Morata. Chapeau 3, mais j'ai vraiment hésité avec. José 3. 3, ok. Dédi 5. Non, objectivement 3. 3, ok. Bon, ouais, moi aussi, je vais être objectif, je vais donner 3. Quand même. Ah, tu vois. Donc, ouais, donc ça donne chapeau 3. Bon, on est quand même un peu sévère, je trouve. Il n'y a aucun 2 parmi nous, donc on a été beaucoup plus gentils que d'autres. Ça, c'est la demande de Fadi, je te cite. C'est Fadi qui nous a demandé de parler de lui. C'est Gyökeres de Sporting Lisbonne, qui a 26 ans déjà, qui empile les buts en D1 portugaise. C'est ce que je viens de dire avec les attaquants de D1 portugaise. Statistiquement ouais, parlant, c'est que c'est compliqué. Pour moi, c'est hors chapeau. Mais avec s'il désolé, Fadi. Faire, hein, mais... Non, mais avec s'il est en train de faire, non, il est quand même champion du Portugal. Il enchaîne avec la Suède encore. L'attaquant de Mourinho à l'époque, quand il était. C'était pas Derley, non, je sais pas. Non, il y avait. Comment il s'appelle le métis, là. Ouais, le métis. Benny McCarthy. Non, pas Benny McCarthy, il y en avait un autre là. Ah, j'ai oublié. Non, à Porto. Ah, j'ai oublié. C'est un peu le même calibre. Hein. Bon, moi, je ne connais pas bien, donc je mets 4 par défaut. Okay, ouais, 4 par défaut, on a tendance à faire à Pionnier. Moi, j'ai mis 5, mais, bon, 4. Il faut dire que c'est fort quand même ce qu'il fait quand même. Même hier avec la Suède, où il y a 2 jours. Ouais, il enchaîne bien. Ok. Dans les commentaires, on gagne la LDC Euro avec Morata, pas avec Gros Mélou. Avec tout le respect qu'on a pour lui. Hein, mais, bon. Inconnu au bataillon, Gyökeres. Fadi qui dit ayez la vision, les gars. C'est important.
KLNG qui rajoute Bados était à 35 buts à Sporting. C'est vrai, Bados. Voilà, j'avais dit chapeau 5, les gars. Christian qui rigole et qui dit Morata meilleur que Lukaku Prime. C'est quoi cette blague? Ouais, merci, tonton. Chapeau 2, Morata pour Trésor. Bon, dernier, les gars, Icardi. 3. Fin de carrière, mais ouais. L'actuel. 3. Il a marqué 25 buts en Super League turque. Aydin, j'aimerais que tu nous dises si on déconne ici, mais attends d'abord qu'on donne le chapeau. L'actuel, ouais, actuel. Hein, actuellement. L'actuel, 3. Mais le prime, c'est je dois avouer que je regarde pas vraiment. Le prime, c'est 1. 3. 3 sur base des stats. 1 sur base de quoi? Les gars, moi, c'est 4. Il joue en Turquie avec tout le reste. Aydin, il a gagné quoi? En Turquie, c'est un championnat pour retraités, mec. C'est les Drogba, c'est les Boué, c'est tous les gens comme Snyder. C'est soit t'es gros, soit t'es en fin de carrière, soit y a rien qui. Enfin, c'est vrai. Ils prennent que des mecs problématiques. Zaha, tous les mecs comme ça, ils les prennent. Les problématiques. Fekir, tous ces genres de personnes-là, quoi. Donc, à un moment donné, non, désolé. Moi, c'est 4. Et donc, ça donne comme chapeau, ça donne chapeau 3, vous êtes gentil, hein, Icardi. Franchement, gentil. Parce que quand je vois quand même Et c'est donc, passé inaperçu, mais Didier a dit qu'à son prime, c'est chapeau 1. Mais les gars, quand je vois. Tous les jours. Quand je vois les chapeaux, ça nous donne les rankings, pardon. On a un mec, on a personne dans hors chapeau, donc on a été gentil. Déjà. On a été gentil. On a donc Elite, donc ranking 1, on a Haaland et Harry Kane. Donc on en a que 2 sur 35 joueurs, sur 34 joueurs. En ranking 2, on a Mbappé, Lautaro Martinez, Lewandowski et Osimhen, 4. En ranking 3, donc en bon joueur, on a Alvarez, Isaac, Gabriel Jesus, Vlahovic, Watkins, Lukaku, Gonzalo Ramos, Jonathan David, Toney et Havertz. Toney, quand même, on l'a. Toney, c'est un peu trop. On le redescend dans le 4. Non, c'est trop, c'est trop. On le redescend, on le garde. Le bug est à Brentford. Dans le sondage, est-ce qu'on met Toney dans le 4? Ouais. Mais de toute façon, chacun a voté. Je sais, mais quand tu vois les noms. Répète les noms quand même. Alvarez, Isaac, Jesus, non, c'est bien, c'est homogène. Vlahovic, Watkins, Lukaku, Ramos, Jonathan David, Toney et Havertz. Même Vlahovic, Havertz, c'est trop. Ça fait du mal de le voir là quand même. Non, Vlahovic, c'est trop. Non, mais il est à son niveau. Ok, ok. Je vois, attendez dans le chat avant. Et je termine et puis on vient vers vous. Dans le ranking 4, on a Thuram, donc Marcus Thuram, Hendrick, Nunez. Quand tu vois les références d'Hendrick, Thuram, enfin bref. Thuram, Hendrick, Nunez, Colomwani, Zirkzee, Dovbik, Jackson, Richarlison, Solanke, Guirassy, Boniface, Sorloth, Gyökeres. Oh, les gars, il faut en monter quelques-uns. Désolé, mais. Non. Moi, désolé, mais. Non, te fais pas avoir par le palmarès. Moi, Boniface, je le monte en 3, les gars. Non, pas maintenant. Non, pas encore. Te fais pas avoir. Fais vire même ton Il y a beaucoup de trois joueurs aujourd'hui qui sont dans des grands clubs. Molo. Ok, les gars. Je vais pas en citer, mais on en parle tout le temps. C'est pas mal, mais au final, on a quand même. On a que deux joueurs dans le ranking 1. Donc, Elite, on a 4 joueurs dans le ranking 2 et puis après ça, c'est assez homogène entre 3 et 4. Ça reflète quand même le football aujourd'hui hein, quand même ouais. Et surtout quand tu vois Elite, à part Haaland, enfin Kane il est plus sur la fin de carrière que début, enfin il se rapproche plus de la fin. On a Haaland, mais finalement il n'y a personne pour le concurrencer en 9 hein, quand tu regardes bien. Il n'y a personne. Mbappé il est en plein déclin et pour moi il sera jamais un 9. Il est dans le 2, il est sur la dans fin deux, aussi. Dans le 2. Et dans le chat, je vois. Je vais lire rapidement. Kimlan et Christian qui semblent se faire des bisous. Bonjour Christian, mes félicitations à toi. Enfin bref, on met Jackson top 10, ballon d'or et Morata chapeau 4. On marche sur la tête ici. Chapeau 5. Je sais pas de qui tu parlais, Trésor. La Turquie, c'est le championnat des solides. Ça tacle Aydin. Merci Kimlan, comment tu vas? Toujours Christian qui fait un bisou. Bisous pour la France. 1-0 pour la France déjà. Oh là là. Chapeau 4 pour Icardi pour Trésor, Christian qui nous dit Alvarez chapeau 3 dans quel film? Kimlan qui continue les amourettes avec Christian, vous n'avez pas cité Rosélou, c'est vrai Rosélou on l'a pas cité, vous le mettez. Oui mais il n'y a pas besoin de les citer les gars, hors chapeau. Mais Kimlan ça c'est typique, il aime trop les anciens joueurs comme chapeau ça, chapeau 3 il va de... Okay. Comment ça chapeau 3 chapeau 3 hors chapeau, 34 ans non. Il a fait une saison, la saison de sa vie, tu okay. Peux pas mettre dans les meilleurs, dédié aussi à prisonnier, mais bref avant de terminer parce qu'il nous reste peut-être une minute et rapidement, goal de Randal Kolo Muani, goal de Randal, chapeau, il était quoi lui, ouais, le 4. Dites-nous en fait dans le chat quel est le poste que vous voulez au prochain, parce qu'en fait je vois qu'on était en moyenne 18-19, donc voilà, j'aimerais un peu respecter votre volonté. Dites-nous le prochain, la prochaine trêve qui arrivera très vite le mois prochain en octobre, quel poste on fait, donc si vous voulez les ailiers ou les défenseurs centraux ou les gardiens ou encore les milieux offensifs ou les 6, dites-nous, les 8, dites-nous un peu et on se fera un plaisir de le faire. Mais en tout cas, c'est sur ce moment. C'est maintenant que je clôture cette émission. Je pense qu'on a assez bien rigolé. On vous remercie à nouveau. Et enfin, j'ai quand même insisté assez, mais je vois toujours pas de pouces. Ou alors c'est moi qui suis décalé. Mais tu veux des pouces sur quoi? Non, c'est dans YouTube. Les likes, c'est YouTube. Important. Je crois que like la vidéo, c'est important pour le référencement. C'est vraiment important pour le référencement. Comment?
Ouais, Deli, c'est un vieux. Il demande, tu veux des pouces où ? Ces gars, s'il vous plaît, avant de quitter, mettez vos pouces, tous, le pouce bleu. C'est important pour le référencement. Et vous pourrez dire dans 5-10 ans, ah ouais, les gars, quand même, aujourd'hui, on est 1000 à suivre l'émission. On était là dès le départ. Et vous inquiétez pas, je serai là pour le rappeler parce que je n'oublie jamais qui était là. Donc voilà, merci encore à tous de nous avoir suivis. Un grand merci. Et voilà, comme j'ai dit, on est encore là chaque lundi. Et on se voit très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Ciao, merci.